Bonsoir à tous, c'est la fête de la Lorraine tout simplement ce soir ici au stade Saint-Symphorien. Nous allons assister ensemble en direct, en vidéo, gratuitement à la finale de la Coupe de Lorraine. Je vous l'aurais compris, cette coupe finale de Coupe de Lorraine qui va opposer Vémerange à Lunéville. Les 22 acteurs sont rentrés sur le terrain pour le beau protocole, mais laissez-moi vous présenter mon consultant de choc pour ce soir, Gabi Delvy, l'entraîneur historique de Thionville. Salut Gabi. Bonsoir à tous et allez Thionville. Ah oui, bah parce que voilà, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que Vémanche est un quartier de Thionville, donc forcément notre ami Gabi sera un petit peu plus derrière les verts ce soir. Gabi, vous avez vécu une finale, c'était en 2007-2008 avec Thionville, vous l'aviez remporté. Expliquez-nous un petit peu à quel genre de match on peut s'attendre et surtout dans quel état d'esprit il faut être un petit peu pour être performant sur ce genre de finale. Alors on était largement favoris puisque on rencontrait Utz, c'était un derby en plus. Et Utz qui était à une division en dessous, nous on avait fait un beau parcours, on était deuxième en DH. Mais malgré tout, ça n'a pas du tout été le match que j'attendais. Heureusement on a ouvert le score, on a tenu le choc. Et on a plié le match à 10 minutes de la fin en mettant le deuxième. Mais ça n'a pas été évident, hein, parce que Utz avait très très bien joué. Justement, quel avait été votre discours, Gabi, vis-à-vis de vos joueurs à ce moment-là? Qu'est-ce que vous leur aviez dit pour essayer de, on va dire, de ne pas trop stresser et de rentrer dans le match d'entrée de jeu? Enfin, j'avais mis quand même un peu de pression en disant que c'est bien d'être à une finale, mais c'est mieux de la gagner. Hein. Parce que il y a toujours un dindon dans l'histoire, c'est celui qui est là. Bon, là, dans un décor grandiose, hein, faut bien le reconnaître. La Ligue de Lorraine a fait vraiment bien les choses et je dirais que celui qui perd, bon ben, ça laisse quand même un drôle de souvenir. Moi j'en ai perdu une en tant que joueur, hein. J'en ai gagné une en tant qu'entraîneur, mais j'en ai perdu une en tant que joueur, hein. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ces deux équipes se sont qualifiées au tir au pénalty après un 0 partout. Est-ce que ce soir ça veut dire qu'on va forcément assister à un 0 partout et à une finale qui va se régler au tir au but? Pas du tout. Bon, je pense que Lunéville a un potentiel offensif. Bon, c'est vrai que défensivement, Vémerange, c'est très très costaud. Hein, y a déjà le gardien, c'est vraiment du solide. Ensuite, la charnière centrale. Vous verrez, Manu, ça inspire quand même de la confiance. 1m90, les garçons. Voilà. Non, mais en plus, ce sont des grands, mais qui se déplacent quand même très vite. Et bon, c'est vrai qu'ils ont joué pour l'instant toujours le 0-0. Le schéma parfait pour Vémerange, c'est d'ouvrir le score et d'attendre. Hein. Alors, avis aux amateurs, avis aux Lunévillois. Vous le voyez sans doute à l'écran, le protocole qui est en train de se mettre en place avec tout simplement Monsieur Jean-Pierre Masseret, le président de la région Lorraine, qui est en train de saluer eh bien, les deux équipes. On va quand même préciser les couleurs des deux maillots. Lunéville qui évoluera en blanc ce soir. Et puis, eh bien, du côté de Vémerange, on évoluera dans les traditionnelles couleurs vertes, vert un peu fluo. J'ai envie de vous dire. La Coupe de Lorraine, on l'a dit Gabi, hein, la Coupe de Lorraine c'est la passion d'une région. La Coupe de Lorraine c'est aussi l'occasion pour ces joueurs qui sont des joueurs amateurs eh bien, de jouer dans un beau stade et de vivre encore plus leur passion. C'est vrai que On a connu les finales de Coupe de Lorraine à Hayange. C'était le fief quand même des deux Vadel. Puis tout doucement ça s'est déplacé sur des terrains neutres. Par exemple moi j'en ai perdu une contre Rehan avec Thionville à Florange. Mais ensuite on a préféré qu'une équipe reçoive. Par exemple moi je l'ai gagné à Utz avec Thionville. On a été reçu par Utz. Et là maintenant on en est venu je trouve à une très bonne idée. Sur un terrain quand même qui inspire le respect, ça a déjà été le cas à Nancy, là aujourd'hui c'est à Metz, je trouve quand même que c'est une bonne chose, bon même si on est dans un stade qui accueille 26 000, 27 000 personnes, bon aujourd'hui si on dépasse le millier, on aura déjà, je pense, rempli le contrat. Alors on l'a dit sur terrain neutre et pourtant il y a beaucoup plus de supporters de Vémerange que de supporters de Lunéville. À peu près 5 ou 6 quarts sont venus du côté de Vémerange, un seul du côté de Lunéville. Mais je vous propose, pendant que la photo des deux équipes est en train de se prendre tout simplement, eh bien je vous propose qu'on regarde quand même les deux compositions d'équipe avec deux schémas
plutôt originaux. Avec, on va commencer avec Vemorange. Besweiler, ça c'est le grand gardien, c'est lui qui a permis à Vemorange de se qualifier justement en cette finale dans cette incroyable séance de tir au but. Et un dispositif, je vous le disais, un petit peu différent. On part sur un 3-5-2. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce 3-5-2 de Vemorange? Moi, c'est leur tactique habituelle. Faudra pas attendre quand même que Vemorange fasse le jeu. Je pense qu'ils vont tranquillement attendre, vont quadriller le terrain. Est-ce que les dimensions maximales de Saint-Symphorien vont un peu les gêner? Est-ce que le talent de 2-3 joueurs de Lunéville que je connais bien, déjà Goncalves, qui est pour moi le meilleur amateur lorrain, ça peut leur faire du mal? Mais toujours est-il que l'entraîneur Granvaux a fait confiance à un système de jeu qui lui a réussi toute cette saison. Regardons la composition maintenant du côté de Lunéville et le 4-3-2-1 de l'entraîneur Eric Braun. Alors là encore, on est sur un dispositif assez particulier avec trois garçons derrière et un libéro qui sera le capitaine André. C'est pas le capitaine d'ailleurs, ce sera André tout simplement. Et attention devant avec, vous l'avez dit, vous en parliez tout à l'heure, Anthony Goncalves qui est milieu de terrain de formation et qui occupera le front de l'attaque parce qu'on n'a plus d'attaquants du côté de Lunéville. Oui, mais très très bon Goncalves qui est capable de tout. C'est lui qui peut faire basculer le match. C'est encore un des rares joueurs qui peut faire la décision. On en a plus trop, on a des joueurs disciplinés, on a des joueurs physiques, des joueurs bien préparés. Mais lui, il a quelque chose de plus, il a le don, c'est un régal à le voir jouer. Et à mon avis, il faudra que Vemorange s'en occupe. Attention également au petit jeune, hein, El Ayadi, un jeune étudiant qui joue du côté de Lunéville. Un garçon que l'on n'attendait pas, hein, puisqu'il y a eu un absent de dernière minute du côté des plans. C'est le Bigre qui a dû quitter le bus, malheureusement malade, au bout de 10 km. Il est sorti du bus tout simplement. C'est ça la pression. Et c'est ça la pression, tout à fait. On n'a pas mis de caméra dans les toilettes ce soir pour voir qui avait le plus peur. Mais en tout cas, je peux vous dire que ces deux équipes sont très concentrées. On a oublié de vous le rappeler avec Gabi. D'un côté, Lunéville a joué en CFA2 toute cette saison, mais malheureusement descendra en DH la saison prochaine. Et de l'autre côté, eh bien, du côté de Vemorange, on joue en DHR. Et Vemorange, eh bien, tout simplement, est champion de DHR et jouera l'an prochain en DH. Donc on retrouvera ces deux équipes en championnat de division d'honneur. Le coup d'envoi qui va être donné d'ici quelques instants entre les deux équipes. 90 minutes de fou et j'espère que vous êtes nombreux à nous suivre ce soir, justement dans ce stade Saint-Symphorien, un stade, eh bien écoutez, vous ne le voyez pas sur votre écran puisque il est tout simplement rempli que de notre côté. Et c'est parti pour cette finale de la Coupe de Lorraine, Vemorange qui affronte Lunéville. Et on va remercier bien sûr la Ligue de Lorraine de football, la Ligue Lorraine de football tout simplement, qui vous permet de profiter, eh bien, de ce spectacle toute cette soirée. Et la première possession de balle sera pour Lunéville. On va faire tourner le ballon très tranquillement. Eric Braun, l'entraîneur, hein, du côté de Lunéville, me disait la donnée significative et très importante sera la condition physique des joueurs. De son côté, il me disait que justement, ces joueurs, il les avait sentis assez émoussés. Gabi, est-ce que justement la notion, le physique, est-ce que c'est ce qui peut faire la différence ce soir? Exactement, exactement. Et je dirais même le moral. Et de ce côté-là, je crois que le moral sera plutôt du côté des Verts. Même, à mon avis, il y aura une supériorité technique du côté de Lunéville, mais le moral, l'enthousiasme, le public, bien sûr, hein, tout ça sera quand même du côté de Vemorange, ce qui fait qu'on va avoir droit à une partie très 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 serrée. Et la première faute sifflée par un monsieur que je n'ai pas présenté, Maurice Sammartino. Maurice Sammartino, tout simplement, eh bien, c'est un arbitre de la Ligue de Lorraine, ça c'est bien évident, et c'est un arbitre qui a l'habitude, eh bien, d'officier en DH. Il sera d'ailleurs assisté par Eloucine Mataoui et Mansueto Léon. Le ballon qui est dans la surface de réparation des Verts de Vemorange, dégagé en catastrophe directement en corner. Et on va suivre d'ailleurs le premier corner de cette partie. Je vois Goncalves, hein, qui s'approche, oui, du poteau de corner, Gabi. Et les supporters des Verts qui commencent à donner de la voix. Normalement, ça devrait être bien un dégagé. Domaine où Vemorange ne devrait pas avoir trop de problèmes parce que quand même au niveau du jeu aérien, c'est quand même solide. Et on l'a dit. Mais
on l'a dit tout à fait, une charnière impériale jusqu'à présent. La première frappe de cette partie, sans problème pour le gardien de Vémange, Berzweiler. Attention, il peut être déterminant ce garçon. Il a été déterminant jusqu'à présent, notamment en demi-finale. Gabi, je voulais qu'on parle un petit peu aussi de la semaine des deux équipes. Hein. Une semaine totalement différente du côté de Vémange. Le coach me disait, Christophe Granvaux nous disait, il a fallu recadrer un petit peu tout le monde parce qu'il y avait beaucoup d'euphorie en cette fin de saison. On l'a dit, une saison historique pour les Verts. Oui, il y a eu des prises de photos, il y a eu la presse qui s'est beaucoup intéressée à eux. C'est vrai qu'on peut vite perdre le fil d'une rencontre, oublier les fondamentaux qui ont fait leur force durant cette saison. Venir ici en se disant, bon, on va manger tout cru Lunéville. Et ça serait vraiment le grand tour. La grande force de Vémros a été que cette saison, ils ont jamais été favoris. Tous les matchs, ils ont jamais été favoris. Et finalement, ils en ont perdu que très peu. On va suivre ce nouveau coup franc pour Goncalves et Lunéville. C'est bien parti dans la surface de réparation. Bien dégagé par Tardivon, le capitaine. On va essayer de trouver une solution peut-être pour se relancer du côté des Verts. Je vois notre ami Gildov qui était redescendu du côté de Lunéville. Je vous disais, une semaine totalement différente. Hein. On a pris du temps pour soigner les blessés. Il y en a 4 notamment chez les titulaires, 5 avec le malade dont je vous parlais tout à l'heure. Il a fallu se reposer également parce que Eric Brown nous disait les joueurs sont épuisés physiquement et psychologiquement. Là, on aura en tout cas peut-être la clé du match, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai que on a dit, et vous le disiez Gabi très justement, deux trajectoires différentes. Hein. Vémange ouais. Qui monte, Lunéville qui descend. Il faut savoir que Lunéville, finalement, durant ses matchs retour, a joué que des matchs de coupe. Ils jouaient pratiquement leur maintien à chaque match et ils n'ont pas eu la satisfaction du devoir accompli, à savoir que finalement ils sont dans la charrette, ils descendent. Donc tout ça s'additionne, ça fait que au niveau de la récupération physique, eh ben, ça se passe moins bien. Et Tardivon, que vous voyez actuellement au sol, le capitaine de Vémange. Ah, il faudrait quand même pas qu'il lui arrive quelque chose, parce que là, c'est un pion essentiel de Vémange. Hein. Ah, c'est le patron, hein. C'est le patron de cette défense. Le garçon, il s'est relevé. Tardivon, Berardi, avec Berzweiler derrière. Ça, c'est du solide. Et alors, il va aller se faire soigner sur le bord de la pelouse. Vous entendez les acclamations des supporters de Vémange qui nous cernent, hein, Gabi, j'ai envie de dire, je comprends maintenant pourquoi vous êtes supporter de Vémange. Déjà parce que vous êtes de Thionville, mais en plus là vous n'avez pas le choix, hein, j'ai envie de vous dire. Pas tout à fait de Thionville quand même. Je suis de Moselle Nord, dirons-nous. Je vais pas renier mon petit village de Fontoy. Et on les salue d'ailleurs s'ils nous regardent et s'ils vous regardent et vous suivent, le ballon qui va revenir dans les pieds des Verts, c'est bien fait ça, avec Steinmetz. Oula, oui, le tacle un petit peu en retard même. L'arbitre très très bien placé. De Chautin. À mon avis, il va prévenir solennellement le joueur de Lunéville. Il va éviter de lui mettre un premier jaune trop rapidement. Il va la jouer tactiquement, l'arbitre. Tout à fait, c'est bien vu. Et en effet, voilà. Avertissement verbal pour Chautin qui va aller tout de suite se repositionner. Et ça va être un bon coup franc pour un joueur très important pour Vémange. Je veux bien sûr parler de Kiefer. Kiefer qui pourrait faire la différence à lui tout seul, ou presque. Le ballon qui est bien parti, bien dégagé par la défense de Lunéville. La clé également hein, de ce match, hein, c'est Eric Brown qui nous en parlait. Eric Brown qui nous disait, le coach de Lunéville, peut-être que les joueurs de Vémange seront un petit peu gênés du fait de jouer ici au stade Saint-Symphorien. Ils n'ont pas l'habitude d'évoluer dans des grands stades. On rappelle que Lunéville, c'est sa 3e finale en 4 ans. Ils avaient déjà joué notamment à Marcel Picot en 2011 lorsqu'ils avaient perdu. Ça joue aussi l'expérience d'un grand stade comme celui-là. Et puis l'expérience de l'événement. Hein. Oui. Ouais, Maîtriser ses sentiments. Alors je ne sais pas si les joueurs de Vémange ont joué la finale cette nuit, la nuit d'avant. Mais ça, ce n'est jamais bon. Ce n'est jamais bon. Pourquoi ? Parce que vous mangez de l'influx qui vous manque au moment de la partie. Alors, c'est là où Lunéville peut avoir un petit avantage. On peut s'attendre alors que Lunéville mette une grosse pression sur ce premier quart d'heure. Ben, on est bien parti, hein, parce que finalement, on a plutôt une domination lunévilloise, même si pour l'instant, il n'y a pas eu grand-chose à noter dans les zones de vérité, dans la zone de vérité de Vémange. Le ballon qui va revenir vers Meilleur, le gardien de Lunéville. Meilleur qui demande à ses coéquipiers de remonter. Un long dégagement, pas assez bien levé.
Et attention, il y avait une position de hors-jeu, mais le ballon n'est pas arrivé jusqu'à l'attaquant de Vémange. Et on va dégager directement en touche par l'intermédiaire de Bombino, le numéro 3. On parlait de cette saison de Vémange, historique. Et pourtant, les 5 premiers matchs de DHR ont été très difficiles. N'avait pris qu'un point, n'avait pas marqué un seul but. Le staff depuis a été élargi avec l'arrivée de Gérald Guézy aux côtés de Christophe Grandreau et Daniel Poulet. Et depuis, eh bien écoutez, ils sont invaincus depuis le 7 avril et c'est tout simplement la meilleure défense de Lorraine avec 14 buts encaissés. Ben vous savez que quand on est arrivé au mois de février, quand devait constituer l'équipe de Lorraine senior, j'avais dit à Serge Mularoni, le patron de technique de la Ligue de Lorraine, j'ai dit écoute, plutôt que d'aller chercher un gardien de DH, intéresse-toi à Berzweiler. Il avait pris 4 buts alors qu'on était au mois de février. Alors c'est quand même un signe de solidité. Bon, lui, il y est pour beaucoup, mais le jeu défensif de Vémange est quand même une force. Du côté de Lunéville, on l'a dit, une saison un peu plus compliquée. C'était le petit poussé de cette CFA2 cette saison. Beaucoup de blessés tout au long de la saison et notamment celle du meneur de jeu. Le coach me disait, Eric Braun hier, me disait, on a couru beaucoup après le ballon. On n'avait pas l'habitude dans les divisions inférieures. On était plus là à voir la possession du ballon, à pouvoir imposer notre jeu. Et ils espéraient ce soir justement pouvoir l'avoir un peu plus, cette possession du ballon. Ça se traduit sur le début de match. Exactement. Quoique... Vémange relève la tête voilà, avec regardez. Cette belle action. C'est bien fait ça. Wow. Le pont débordement et la balle frappe, c'était Porzi, lui aussi le virevoltant joueur offensif du côté des Verts, vous le voyez actuellement à l'écran. Au point de vue occupation du terrain, on est plutôt du 50-50, pour moi c'est une surprise, je m'attendais à avoir une attaque-défense, finalement c'est plutôt partagé. Mais pour en revenir à la saison de Lunéville, bon ben, c'est une saison classique, dans l'euphorie du titre de DH. Bon, ils ont bien manœuvré, je crois qu'ils étaient 5e ou 6e au mois de décembre. Bon, après, à la faveur des matchs remis, parce qu'on a eu un sale hiver, ils se sont crus peut-être un peu trop beaux. Et puis, les matchs retour ont été vraiment très, très difficiles à gérer. Et ils en sont arrivés à descendre. Et on le rappelle, Lunéville qui est passé en 10 ans de promotion d'honneur à CFA2, c'est quand même un beau parcours et un bel exploit. Ah oui, quand Thionville est monté en CFA2 en 2009, avec Eric Brusco aux manettes, j'avais vu le match Thionville, moi j'étais directeur technique du Thionville FC, j'avais vu le match Thionville FC Lunéville à Thionville, c'était un match vraiment de toute beauté, on avait gagné 3-2, mais bon, c'était parce que c'était l'année où on devait monter. Mais j'avais déjà vu les prémices d'un futur champion, en l'occurrence Lunéville. Vémange, reparlons un peu de Vémange et de son président Marc Bérardi. Vous le connaissez bien parce qu'il est passé par Thionville, il me semble. 47 ans, un jeune président. Un jeune président, un jeune entrepreneur. Bon, nous on avait même tenté à un certain moment, on l'avait rencontré pour essayer de faire une fusion. À la demande d'ailleurs de la mairie, parce que bon, il y a quand même 7 clubs sur la ville de Thionville. Et eux, ils ont plutôt voulu rester dans leur quartier. Et bien leur en a appris, parce que nous, on est descendus, on est en dessous de Vémange, alors que Vémange, bon, ils vont se retrouver une division au-dessus du club phare de la ville de Thionville. Alors que Bombino s'est fait justice lui-même sur Chautin, on l'a vu, et ça va donner donc l'occasion d'un nouveau coup franc pour Lunéville et le ballon qui va filer droit dans les airs et surtout droit dans les bras de Berzweiler, le gardien des Verts bien sûr de Vémange. On l'a dit, c'est la toute première finale en Coupe de Lorraine de leur histoire pour ces joueurs de Vémange. Ils ont effectué quand même 2 demi-finales sur ces 3 dernières années, c'est pas une surprise de les retrouver à ce niveau-là. Oui, jusque maintenant, c'était pas trop une équipe de championnat. Bon, il y a 20 ans, ils étaient quand même montés en DH. Leur entraîneur à l'époque, c'était le docteur Gérard, Alain Gérard. Et bon, ils avaient fait un court passage parce que c'est comme Lunéville en CFA2. Hein. Quand vous montez d'un cran, c'est l'élite. Il y a des problèmes de moyens financiers. Il y a des problèmes de moyens tout court qui font que finalement, Vémange n'a fait qu'un bref passage en DH. Mais toujours est-il qu'ils avaient fréquenté la DH. Par contre, en coupe, ils sont quand même souvent les auteurs d'exploits en Coupe de France,
en Coupe de Lorraine. Ils ont été deux fois en demi-finale de Coupe de Lorraine. Chez eux, ils ont perdu contre Daltich. Ils ont perdu aussi, je ne me souviens plus, contre le gagnant, c'était Jarville. Là, cette année, ils sont arrivés en finale. Bon, ben, c'est une marche de plus. Alors, il reste encore la dernière marche. Hein. C'est quand même la plus importante. Et bien sûr, attention avec ce bon duel face à face sur l'extérieur. Et ça va passer juste à côté des buts de Meyer. C'était tout simplement le numéro 9, Gildorf, qui s'était retrouvé seul face au gardien de Lunéville. L'action la plus chaude, Gabi, de ce début de match. Exactement, mais Gildorf était quand même en position d'hors-jeu, signalé par le juge. Exactement. Et en plus, il avait mis quand même le ballon à côté. Mais ça montre qu'il y a des possibilités pour Vemrange, hein, et qu'il ne se contente pas uniquement de défendre. Alors, si vous avez suivi un petit peu les différents matchs que vous ont proposé la Fédération Française de Football et les différentes ligues tout au long de cette saison sur Internet en streaming gratuit, vous savez qu'on a un concept révolutionnaire. C'est-à-dire que vous pouvez commenter ce match avec Gabi et avec moi-même. On va suivre cette action avec ce bon ballon. Ils se sont gênés, Goncalves notamment. Ils se sont gênés, les deux garçons de Lunéville. C'était Goncalves et Eddy Legrand. C'est bien dommage. Ça aurait peut-être pu aller un petit peu plus loin du côté de Lunéville. Donc vous pouvez, je vous l'ai dit, commenter ce match avec nous. Ça se passe sur Twitter, c'est via le hashtag Coupe Lorraine, tout attaché. Donc vous mettez un petit dièse, Coupe Lorraine, tout attaché. Et vous nous envoyez bien tout simplement vos messages. Oh, attention, le bon contre dans la surface de réparation. Il n'y a rien à signaler, monsieur Sammartino. Et ça va être un nouveau corner pour Lunéville, le premier de cette partie pour Lunéville, excusez-moi, j'en perds mon français, pour Vemrange, bien sûr. Et là, tout de suite, vous avez Tardivan et Berardi qui viennent occuper les 16 mètres adverses. C'est un des points forts de Vemrange, hein, les coups de pied arrêtés. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt parce que vous l'avez dit, il y a des joueurs qui sont grands, mais en plus, savent très bien jouer avec la tête. Je veux bien sûr parler de Tardivan et de Berardi également. 1m90 tous les deux et un très très bon timing. C'est bien parti au premier poteau. Attention, ça va être prolongé, ça va revenir directement dans les pieds des Verts. Le ballon, oh oui, la bonne frappe. Attention, il est tout seul, il est pas hors-jeu. La deuxième chance, oh, l'ouverture du score. L'ouverture du score pour Vemrange. Et tout simplement, il est signé David Gildorf, ce but. Et le Stade Saint-Symphorien qui exulte. La voilà, la première occasion. Tout à l'heure, il était hors-jeu, Gildorf. Ce coup-ci, il était tout seul, pas marqué, et il a saisi l'opportunité. Un bon plat du pied, il a regardé ce que le gardien faisait, et il a placé son ballon au petit filet, côté extérieur, hors de portée du gardien. Là, ça change quand même pas mal les données, parce que c'est un scénario idéal pour les Vermangerois. C'est le scénario qu'ils préfèrent. Hein. Et voilà, comme vous le disiez, hein, le scénario idéal pour Vemrange, vous me le disiez avant qu'on prenne eh bien, le cours de ce match. Il faut marquer d'entrée pour les Verts, et bien c'est fait. Et Lunéville, qui on l'a dit, psychologiquement et physiquement sans doute un petit peu éprouvé. Oui. Il n'y a pas de ralenti. Il n'y a pas de ralenti. Non, mon cher Gabi, vous n'êtes pas sur le direct national, il n'y a pas de ralenti aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on a apprécié ce but, vous l'avez suivi de chez vous. J'ai un premier message qui nous vient de loin, mon cher Gabi. Anthony Riva qui me dit, depuis Tokyo, où il est 1h15 du matin, je suis la finale de Coupe de Lorraine à l'EVM. Voilà. Eh bien écoutez, on peut plus rien dire après ça. Le coup franc qui est bien parti dans la boîte, au deuxième poteau, la bonne tête. Ouh, c'était bien fait ça. C'était bien fait de la part de Beson, qui était monté sur les épaules de son homologue Vert. Et un nouveau corner tiré par la petite patte gauche de Goncalves. Ça a été bien dégagé au premier poteau. Et là, je peux vous dire, aujourd'hui, le Stade Saint-Symphorien, on dirait le stade de Vemrange, tout simplement. Et attention, ce nouveau ballon pour Gildorf, inarrêtable depuis le début de cette partie. Et ça va finir, bien sûr, dans les bras de Meyer. Meyer qui va relancer directement à la main vers Goncalves. Et la faute, bien sûr, signalée sur El Ayadi. Un bon coup franc pour Lunéville, un coup franc qui va permettre surtout au bloc de Lunéville de remonter d'un cran. Déjà une première impression, il y a beaucoup plus de présence défensive, beaucoup plus d'agressivité dans le jeu des Vemrangeois. Bon, Lunéville fait confiance à son potentiel technique. Bon, pour l'instant. Et ça leur a joué des tours cette saison, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, Gabi.
Attention, attention à ne pas faire preuve de trop de confiance dans ce match. Ça va vite. On l'a vu, Vemrange mène déjà 1-0. Le corner bien boxé par Berzweiler. Et ça va sortir directement en touche. Et voilà, les supporters juste des Verts qui récupèrent le ballon. Juste une chose, pour Lunéville, il vaut mieux prendre un but au bout de 10 minutes qu'à 10 minutes de la fin. Hein. C'est vrai. Voilà. Ça permet peut-être de... Ah, attention, il y a deux ballons. Il y a deux ballons, voilà. Ouais, le ballon qui a été malheureusement jeté par les supporters de Vemrange. Alors, on vous fait profiter en même temps du spectacle et de cette superbe ambiance. Hein. Même si les tribunes sur votre écran ont l'air vides, de notre côté c'est bien rempli, bien garni. Ah ben la tribune, c'est la tribune, en face c'est Solac, ici c'est la tribune, c'est l'ancienne tribune présidentielle. Bon ben elle est bien pleine. Hein. J'ai moi Sifomas sur le hashtag Coupe Lorraine qui me dit match de DH aujourd'hui, on dira un match de CFA national. Écoutez, sympa. On va voir. Hein. J'espère que nous aussi on est au niveau, Gabi et moi-même. N'hésitez pas en tout cas à réagir sur ce match. Le hashtag, je vous le répète, Coupe Lorraine, tout attaché. Le petit dièse, ça se passe sur Twitter, bien sûr. Et un nouveau coup franc qui va être signalé pour Lunéville. Attention, on se rapproche des cages de Berzweiler. Et on va retrouver du grillon à la baguette. L'électron libre un peu hein, de cette équipe de Lunéville. Et Beson a rejoint les attaquants dans les 16 mètres de Vemrange. Et attention, on l'a vu, il est très bon de la tête lui aussi. C'est bien parti du grillon dans la surface au deuxième poteau. Oh oui, c'est bien boxé ça par Berzweiler. Et le capitaine Tardivon qui va dégager ce ballon en catastrophe. Et on cherche, hein. J'ai l'impression, cher Gabi, qu'on cherche le 1 contre 1 du côté de Lunéville, de faire la différence dans les duels. Oh, il est bon cet appel de Dugrillon dans la surface de réparation. La remise immédiate de l'intérieur du pied droit. Bien dégagé de la tête. Et la reprise directe d'Elaï Hadi qui va aller mourir dans les tribunes du stade Saint-Symphorien. Un premier ballon perdu. Mais dans cette organisation-là, le point fort de Vemrange, c'est qu'ils arrivent à faire déjouer l'adversaire. Là, sur cette action-là, je trouve que Lunéville a été cohérent, même si l'action terminale, la frappe n'était pas idéale. Toujours est-il que l'action a été quand même bien construite. Alors pour réclamer une c'est faute... C'est comme ça que Lunéville devra jouer 90 minutes pour espérer revenir au score. Mais je le dis tout de suite, hein, ça va être très très dur pour Lunéville. Allez, j'ai Yutchenkov qui me dit sur le hashtag Coupe Lorraine, sur une action, le grand est capable de faire la différence. Attention, il reste 70 minutes, c'est vrai. C'est vrai, merci de nous le rappeler. Et puis on a également Raphaël Campanosi qui nous dit depuis Montpellier, je suis mon village natal en streaming à l'EVEM. Mais écoutez, je crois que il y a que des supporters de Vemrange aujourd'hui qui nous regardent et qui sont dans le stade ou presque. Et continuez hein, d'envoyer vos messages sur le hashtag Coupe Lorraine. Le ballon au milieu de terrain, ça va revenir dans les pieds d'un joueur de Lunéville, en l'occurrence Gentil, qui s'appuie sur du grillon. Alors Dugrillon, c'est la révélation des deux dernières saisons. Hein. Le joueur vedette un peu de cette équipe. Ça peut être le casse-tête pour Vemrange ce soir. C'est un gars que je n'avais pas vu jouer lorsque Lunéville et Thionville FC étaient au même niveau. Et paraît-il, j'avais connu Goncalves. Et paraît-il, c'est un garçon qui aime être au départ et à la fin de chaque action. Il aime toucher le ballon aux 50 mètres et surtout le toucher avant que ça rentre dans les buts. L'ambiance est verte. Hein. C'est ce que j'allais vous dire. C'est pour ça que je me suis tué. Parfois, le spectacle parle de lui-même. Et on vous fait profiter, bien sûr, de ce spectacle en direct dans la tribune de Vemrange. J'ai envie de vous dire, je suis le seul en bleu aujourd'hui. Le ballon dans les pieds de Meyer. Meyer qui va dégager loin devant. Vous connaissez d'ailleurs la profession de ce gardien, mon cher Gabi? Tiens, c'est une petite question. De Lunéville? Oui, non. De Meyer. Alors là, je connais, pour avoir lu le République à l'oreille cette semaine, la profession des joueurs de Vemrange, mais Lunéville, non. Là, ça... Eh ben, ça va vous plaire, il travaille au CAF Gilles, voilà, avec son oncle. Voilà. D'accord. Donc c'est lui qu'il faut qu'on aille voir à la fin du match d'accord. Pour récolter des bons points. Le ballon sur le côté droit avec Gentil, qui va alerter son attaquant, mais... Vemrange va
remettre le pied dessus. Et sur un jeu à une touche de balle, essayer de remonter ce ballon petit à petit. On est reparti côté droit, du côté des Verts. Avec notamment sur le côté droit, c'était Chautin. Et la balle qui va sortir directement en touche. Chautin qui va la jouer lui-même. Peut-être à destination de Steinmetz. Je vois également le numéro 8 du côté des Verts. Mais ce ballon qui va être directement dégagé. Ça va revenir vers le capitaine Tardivon qui s'appuie sur André. Le ballon qui va partir côté gauche. Attention, cette balle va sortir malheureusement pour Bombino. Deux équipes qui vont se retrouver, on l'a dit, la saison prochaine hein, en DH. Est-ce que c'est l'occasion un petit peu de se tester avant le grand exercice 2013-2014? Même si les deux confrontations de l'année, de la saison prochaine ne seront pas du tout les mêmes que celle-là. Et d'ailleurs, ce serait à l'heure. Bien sûr. Bon, on imagine le bonheur des Vémrangeois qui remportent ce final et qui se disent oh ben, on a réussi à battre une équipe qui était en CFA 2. L'année prochaine, on va se maintenir tranquillement. Ça serait à l'heure. Le dynamisme, la spirale dans laquelle se trouve Vémrange, c'est certainement beaucoup plus positif que l'enfer qu'a connu Lunéville durant les matchs retour. Et la bonne tête de Legrand, directement dans les bras de Berzweiler, qui va dégager. On cherchait à alerter Dugri. Oula. Non, Steinmetz. Mais le ballon qui va être dans les pieds des joueurs de Lunéville. On va faire tourner très tranquillement. Je voulais qu'on parle un petit peu du modèle économique hein, de ces deux équipes. Du côté de Vémrange, les joueurs sont tous bénévoles. Il n'y a même pas de système de primes. 30 bénévoles et 325 licenciés. Et leurs ressources viennent de la subvention de la commune. Vous le disiez tout à l'heure, il y a 8 clubs hein, dans la commune de Thionville. Oui. Et c'est vrai que... Ils n'adoptent même pas le système de prime de match. Hein. Pas de prime, même ce soir, ouais. C'est ce que nous a dit le président, même ce soir, en cas de victoire, il n'y aura pas de prime. Même pas le partage de la recette, parce que ça se fait habituellement. Ça, j'avoue que j'ai pas demandé. Ça, dès qu'on rentre dans les histoires de gros sous, vous savez, Gabi. Vous savez, au lieu de partager la recette, vous mettez 30 bouteilles de champagne, voilà. Pas de victoire. Ça peut être une recette aussi. Le ballon dans les pieds des Verts. Attention, parce que là, il y a peut-être un coup à jouer sur cette contre-attaque. Avec le numéro 10. Porzi, oh c'était bien fait ça. Ça va revenir dans les pieds de Gildolf. Et la faute. La main. Concédée par Lunéville. Ah non, par Vémrange, tout à fait une main. Bien vu. Et c'est déjà reparti. On l'a joué très rapidement. Porzi qui s'était d'ailleurs appuyé sur Bombino. Porzi, ça a été la grande révélation de la saison vémrangeoise. C'est un gars qui a joué pratiquement tout seul aujourd'hui. C'est un luxe là, hein. Vémrange joue pratiquement avec deux attaquants, mais je les ai vus souvent jouer avec un seul attaquant et c'était Porzi. Hein. Ce qu'il faut dire, c'est que Porzi, c'est un joueur très rapide. On a Gildorf, lui, c'est l'électron libre. Et mais puis il y a Steinmetz. Il est très rapide, mais il est aussi très combatif. Ouais. Hein, parce qu'il ne donne pas sa part au chien. Hein. Parce que je peux vous dire qu'il dort bien les soirs de match. Hein. Et en préparant ce match, j'ai cru voir et j'ai cru comprendre que ce qui faisait aussi la différence du côté de Vémrange, c'est ce bloc défensif. C'est-à-dire que ces garçons-là défendent à 11 et il en manque jamais un seul à l'appel au moment de défendre. Bon, c'est cultivé aussi par l'ambiance qu'il y a dans ce club. Hein. J'ai déjà entendu maintes fois que les joueurs, le jeudi soir, le vendredi soir, après un entraînement, ils n'ont pas besoin des dirigeants pour faire venir des pizzas au clubhouse. Se retrouver ensemble, faire je dirais pas une troisième mi-temps parce que c'est après un entraînement, mais c'est tout comme quoi. Et ça ce sont des vertus après qu'on retrouve dans les moments difficiles d'un match. Et l'ambiance qui monte d'un cran ici au stade Saint-Symphorien. J'ai K qui me dit, je dis un petit 3-1 pour Vémrange. Écoutez, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, on prend les paris nous aussi si vous voulez. Là, ça voudrait dire que Vémrange cartonne. Hein. 3 buts. Et puis on a nos boycotts qui nous dit on va revenir. Le grand, c'est pas mal aussi. Ouais. Hein. Et le bon débordement de la surface, ouais. Le ballon qui va filer le long. Manque de présence des 5 mètres. À la position de Lunéville. Et c'est reparti directement pour Vémrange sur le côté gauche. Et ce ballon qui va sortir en touche.
on inverse la tourche. Ah, sous la stupeur. L'entraîneur Vemrojois sait faire parler la foule. Parce qu'il regarde plus le match, là, il regarde la foule. Debout, Christophe Granvaux. Oh, le ballon dans la surface, mais oui. Alors il faut savoir au niveau des entraîneurs. Bon, ils ont comment. Guézi était l'entraîneur en place l'an passé. Ça s'est bien terminé. Ils ont assuré leur maintien parce qu'ils ont eu une saison quand même assez difficile. Ils ont assuré leur maintien en DHR et donc il a voulu faire droit d'un recul. Donc ils ont commencé la saison avec une doublette. Daniel Poulet qui a été formé à la AS Nancy Lorraine et Granvaux qui fut un des éléments les plus fidèles et les plus sérieux et les plus efficaces de la défense vémorangeoise pendant une dizaine d'années. Et donc ils ont commencé cette saison avec cette doublette. On est arrivé au quatrième match, ils avaient 0 point, ils n'avaient pas mis un but. Je crois qu'ils ont attendu le cinquième match à Trémery. Ils ont gagné 3-2 et c'est là que tout est parti. Et qu'est-ce qui s'est passé à Trémery? Granvaux a fait appel à Guézi en lui disant, écoute, reviens dans le vestiaire, rien que ta présence, 2-3 mots, ça va peut-être décoincer la situation. Parce que là, pour l'instant, ils étaient vraiment très mal. Un point pris, 0 but marqué. Hein, voilà. Rappelle. Et donc, oui, ils avaient fait match nul contre Omécourt, 0-0. 0 but marqué en 4 matchs. Hein. Et à partir de là, bah, Guézi est resté toute la saison. Finalement, ils se sont retrouvés, au lieu d'une doublette, ça a été un trio. Et puis, avec le bonheur que l'on sait. Exactement. Et le tournant. Et peut-être, il est là aussi, le tournant pour Vémorange, même si Gildorf n'a pas pu se saisir de ce ballon et qu'il va retourner directement dans les pieds de Meyer. Meyer qui va tout de suite relancer vers Goncalves. Anthony Goncalves. On fait tourner le ballon du côté de Lunéville. Une équipe de Gaillard taillée à la Lino Ventura. Ça, c'est le Républicain Lorrain qui présentait les choses de cette façon-là. Lunéville. Leur modèle économique à eux est tout à fait différent. Hein. Aucun joueur sous contrat fédéral, c'est ce qui en faisait un petit peu le petit poucet de la CFA2. Mais contrairement aux autres clubs de CFA2, comme disait Eric Braun, eh ben, ils n'ont pas de sponsor qui emploie par exemple 10 joueurs dans leurs entreprises. Il y a un seul, je crois, un représentant en vendeur de fenêtres, puisque le sponsor principal est un vendeur de fenêtres. Attention, et ils ont un système de primes de match pour le coup. Le président de Vemrange, il a aussi une entreprise de fabrication de fenêtres. Hein. Mais on n'a pas le droit de dire de marque, attention. Hein. Et vous parliez tout à l'heure de Daniel Poulet qui a été formé à l'AS Nancy Lorraine. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il en va de même pour Eric Braun, le coach de Lunéville, qui a également été formé à l'AS Nancy Lorraine et qui me disait, retournez ici à Metz, pour un ancien comme moi, c'est toujours un peu particulier. On va en parler de ce derby, si vous le voulez bien. Il ne joue pas à la maison, lui. Mais peut-être que ça va le motiver un petit peu plus. Eric Braun, moi, je l'ai connu à Vendeuvre. À l'époque, ça s'appelait la D4, c'est-à-dire la CFA 2 actuelle. Et il y a un autre joueur qui a été formé du côté de Nancy. Il joue pour Lunéville, c'est André, le libéro. C'est étonnant, d'ailleurs, de voir une équipe jouer encore avec un libéro. Oui, on est plutôt maintenant style défense à plat. D'ailleurs, Vemrange, ils ont joué parfois à trois dans l'axe avec deux latéraux, Bobino et Gentil. Mais là, ils en sont revenus avec deux milieux défensifs, Lozière devant la charnière centrale. Bah, depuis que Tardivant et Berardi se montrent très efficaces, finalement, Granvaux se dit c'est plus la peine de jouer à trois dans l'axe. Quand vous jouez à 3 dans l'axe, vous en perdez un dans le milieu. Hein. Forcément. Voilà, ça c'est les mathématiques. Hein. J'ai Florian Barthel tiens, qui me dit quelque chose d'intéressant. La Moselle contre la Meurthe et la Moselle... Oui, la Moselle contre la Meurthe et Moselle, pardon. Déjà un avant-goût du derby pour l'année prochaine. Moi je lance ça, hein, je ne dis rien de plus. Je vous laisse réagir, Gabi, c'est pour vous. Ben, ce sera le 24 septembre. Hein. J'espère qu'on atteindra les 26 000 spectateurs ici. Oh, j'en doute pas. Il faudra un bon départ de Nancy, un bon départ de Metz. Et puis comme ça, on aura un super derby. On aurait souhaité que Nancy se maintienne en LA, parce que quand même, une région Lorraine sans club de LA, ça fait quand même un peu triste. Quoi.
Alors j'ai quelques statistiques du côté de Lunéville, également. Ils ont pris le premier but dans le premier quart d'heure et c'est pas étonnant parce que c'est un des trois quarts d'heure où ils souffrent le plus depuis le début de cette saison. Ils ont encaissé 8 buts dans le premier quart d'heure depuis le début de la saison. Donc ils ont toujours du mal un petit peu avec les entames de match parce que c'est pareil. En deuxième mi-temps, ils ont encaissé 9 buts depuis le début de la saison. Ça représente eh bien tout simplement 25% de leurs buts encaissés en CFA 2 en tout cas, pas en Coupe de Lorraine. Et une autre statistique, si Lunéville, alors que ce soit à l'extérieur, sur une moyenne si vous voulez à l'extérieur ou à domicile, puisqu'on est sur un terrain neutre aujourd'hui, si Lunéville encaisse d'abord le premier but, eh bien Lunéville ne l'a jamais emporté depuis le début de la saison, 2 nuls et 10 défaites. Au nul, ils peuvent aller au tir au but. Exactement, voilà. Et on sait qu'il n'y aura pas de prolongation. Hein. Ah si. Il y aura des prolongations, tout à fait, en cas de match nul. Pas de remplacement permanent. Voilà, à tout à fait. Un joueur qui sort ne pourra plus rentrer, tout à fait. Alors que pendant toute la saison, jusqu'à la finale, les joueurs qui sortaient pouvaient rentrer à nouveau. Attention, ce bon ballon pour Lunéville. On va faire tourner telle une attaque d'handball avec Goncalves, côté gauche. Goncalves qui va aller provoquer. Goncalves qui va centrer. Malheureusement, il n'y avait personne. Où le grand n'a pas pu s'en saisir. Et c'est Berzweiler qui a bien jailli. Vous le voyez à l'écran, le héros de cette demi-finale. Et c'est lui qui a été chercher le septième tir au but de Villeru. Et qui a fait que. Et d'une magnifique manière. Hein. Voilà. Vous pouvez aller le voir d'ailleurs sur le site de Vémange, le site internet de Vémange. Il y a encore cette vidéo de cette parade fantastique qui a propulsé Vémange ici même au Stade Saint-Symphorien pour la finale de la Coupe de Lorraine 2013. Vémange qui a réussi à mettre le pied sur le ballon. Coup de sifflet de Monsieur Sammartino. Et là attention, je crois que c'est le dernier avertissement verbal pour Monsieur Chautin, le numéro 2 du côté de Lunéville. Qui ne s'est pas fait que des amis dans la tribune de Vémange. Il va prévenir quand même solennellement l'attaquant de... Ah là voilà, le premier carton jaune. Ouais, en fait, Chautin avait eu quelques mots durs avec Monsieur Sammartino. Monsieur Sammartino qui a donné un carton jaune, un premier carton jaune au buteur, tout simplement, de cette partie. Une confidence, Manu. Monsieur Sammartino s'entraîne sur les installations du Thionville FC. Ah. Est-ce que c'est d'ailleurs une indication? Il porte les couleurs du Thionville FC. C'est vrai. Il lui manque un short bleu. Hein. Peut-être a-t-il même mis le maillot de Thionville sous son maillot d'arbitre, je ne sais pas. On va aller voir ça à la mi-temps, je vous le promets. On va revenir avec les images. Mais en tout cas, le premier carton est pour Vémange. Et en l'occurrence, pour David Gildorf. Ça veut dire aussi, c'est un signal que lance l'arbitre. À partir de maintenant, toute faute qui mérite un carton jaune n'aura pas d'aide d'urgence. Et j'ai Yutchenko qui m'a dit juste avant le carton, parce que on va pas faire du supporterisme, avant que le carton soit sorti, il y a quelques minutes, Yutchenko me disait un arbitre meilleur que ceux de Ligue 1. On va pas polémiquer, mais c'est vrai que c'est un très bon arbitrage depuis le début de cette partie. Bah, vous savez que l'arbitre qui a l'honneur d'arbitrer la finale de la Coupe de Lorraine, c'est celui qui a eu les meilleures notes durant la saison. Donc, pour l'instant. En toute logique alors. Pour l'instant. Son bulletin correspond à sa performance. C'est un enseignant qui parle. Voilà. Tiens, ça c'est intéressant que vous parliez d'enseignement parce que du côté de Vémange, j'ai cru comprendre en essayant d'explorer. Voilà, exactement. En essayant d'explorer qu'est-ce que faisaient comme métier les joueurs des Verts, eh bien, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient dans l'éducation nationale. Oui, il y a... Et notamment le coach, comme vous le disiez tout à l'heure. Le coach, Lozière. Oh, attention avec ce ballon récupéré du Grillon qui va faire la différence, qui va ouvrir son pied. Oh, l'égalisation du Grillon. Égalisation du Grillon. Et on va... Oula, je crois qu'il y a un peu polémique. Il y a un peu polémique. Alors attendez, est-ce qu'il a validé ce but? Oui, il est validé. Monsieur Sammartino. Il ne reviendra pas sur sa décision. Tout à fait, il a mis la main à la poche. À qui va mettre le carton jaune? Attention. Parce que le 9 a déjà un jaune. Hein. Ouais, tout à fait. Et Lozière joue bien le coup, là. Il joue bien le coup. Alors, vous savez ce qu'il est, Lozière? Il est proviseur adjoint d'un lycée de la ville de Thionville. Vous voyez ce que c'est qu'un enseignant? Voilà. J'espère que ses élèves ne le regardent pas ce soir, en tout cas. Égalisation, en tout cas, pour Lunéville dans ce match. Un partout avant la mi-temps. C'est le meilleur moment pour égaliser pour Lunéville. Hein. Ah oui, là, on va rentrer dans les vestiaires et avec un petit avantage. C'est un but quand même un peu casquette, hein, parce que il y avait pas grand danger. C'est pas trop au niveau de l'intervention de Berweiler. Bon, les joueurs de Vémange se plaignent qu'il a été bousculé.
Et il a manqué quand même un peu de décision dans sa dans son intervention. A réclamer une faute hein, du côté de Vemrange. Eh ben en tout cas tout est à refaire dans cette finale de Coupe de Lorraine. C'est sûr que c'est un. Hein. Je crois que les joueurs de Vemrange auraient tort de s'attarder sur ce but. Il vaut mieux qu'ils reprennent le sens du match et éviter de se prendre pour des martyrs. C'est le meilleur moyen de perdre un match. Hein. Et de sortir du match complètement. Du grillon qu'on n'avait pas vu. Ben on voit maintenant pourquoi on parle de lui. Et il a fait parler la poule. Parce qu'il est à 50 cm de la ligne de corner. Et avec le avec l'intérieur du pied, il la met dans le petit filet à l'opposé. Il a quand même bien joué le coup. Hein. Et la Gabi, ça siffle dans les tribunes. Puisque Monsieur Sammartino a donné ce coup franc. Ah, de toute façon, Monsieur Sammartino aura du mal à tempérer l'ardeur et des joueurs de Vemrange, mais surtout du public. Du public, tout à fait. Ah, je sais pas. Hein, si du côté de Vemrange cet été, je sais pas si. Oh, si, ce sera le bienvenu quand même. Après le match, tout le monde sera réuni, bien sûr, pour une belle fête. Et je vais vous en parler d'ailleurs, parce que il y a deux programmes très différents hein, pour les joueurs de Vemrange et ceux du Neville en cas de fête prolongée dans la soirée. Je vous en parle en deuxième mi-temps, parce que là, c'est des grandes surprises. Et ça, bien sûr, témoignera. Les joueurs ne sont pas au courant, peut-être. Ah, voilà. C'est pour ça qu'il faut pas trop en parler. D'accord. Mais en tout cas, ça témoigne bien de cette belle ambiance et de ce bel esprit du football amateur ici en Lorraine. Vous vous souvenez pas, Manu, mais l'équipe de France avait déjà préparé les festivités avant d'aller aux États-Unis. En 94, tout à fait. On entendait Joe Dassin chanter l'Amérique. L'Amérique, c'est ça. On avait mis la deuxième étoile également en 2002. Il y a un Bulgare qui est passé par là. Kostadinov, le bien nommé. Oh, ça donne de la voix du côté de Vemrange. Le ballon qui va filer droit dans les airs. Et je vous parlais hein, de cette ferveur de la région Lorraine. Une ligue qui couvre 4 départements, 2 347 000 habitants, 81 746 licenciés. C'est le foot est la première discipline sportive de la région. C'est bien de le dire. La Ligue de Lorraine qui comptait 1 185 joueurs en 1920 et qui en est à maintenant plus de 100 000 aujourd'hui. 532 clubs engagés dans cette Coupe de Lorraine, alors que bien sûr eh bien, la Lorraine compte 722 clubs au total. C'est vous dire si eh bien, on suit le ballon, si on aime le ballon rond. Et on le voit dans cette belle tribune bien garnie. Je vous le dis encore une fois, vous ne voyez pas tout ce monde. On va essayer de vous proposer un petit plan tout à l'heure avec notre magnifique caméra BRC. Non, mais il y a de l'ambiance en plus, hein. Il y a du bruit. Et c'est bon enfant. Ça sonne pas creux. Exactement, c'est bon enfant. Je pense que c'est une réussite hein, au niveau ferveur populaire. Et le public qui donne de la voix dans ce stade sans symphorien. Et Lunéville qui est en pleine phase offensive avec Goncalves qui va s'appuyer côté gauche sur Legrand. Legrand face à deux joueurs. Legrand qui va essayer de passer tout seul mais ça va être compliqué. Et bien rappelé par la patrouille et notamment par Gentil. Gentil, qui n'en a que le nom, hein, bien sûr. Hein. Par rapport au début de match, Vemrange allait un peu laisser tomber le milieu de terrain. Ils ont carrément maintenant reculé dans les 30 mètres. Alors que, rappelez-vous, on avait droit, durant les 20 premières minutes, une occupation assez partagée. Et là, je pense que là, Vemrange recule beaucoup trop. Et attention à ne pas le payer. C'est comme ça que l'erreur est arrivée sur l'égalisation. Et on le voit, le bon jaillissement. Oh, la bonne frappe, c'est bien fait! Cette frappe flottante de Chautin, extérieur pied droit, qui va sortir directement en sortie de but. Mais c'était bien tenté. Peut-être aussi que la solution peut passer comme ça par des frappes de loin. C'est sûr, face à une défense aussi nombreuse, bien organisée, la frappe lointaine peut être une solution. Et il y a des spécialistes hein, du côté de Vemrange, les gauchers, on les appelle comme ça, c'est Kiefer et Steinmetz. Deux garçons également, deux artilleurs hein, chez les Verts. Et le ballon qui va être dégagé en catastrophe par l'auteur de la frappe de tout à l'heure, je veux bien sûr parler de Chautin. Vous savez d'ailleurs, Lunéville est une ville très connue pour ses desserts. Savez-vous pourquoi, mon cher Gabi? Pour ses desserts? Pour ses desserts, et un dessert en particulier. Ah, alors là, je donne ma langue au chat. Je ne sais pas si vous appréciez le baba au rhum. Ah, ça c'est le dessert préféré de mon épouse. Eh bien écoutez, on la salue, c'est l'occasion.
créé par une cuisinière de Stanislas, duc de Lorraine et roi de Pologne. Ah. Voilà. L'une des villes connues également pour sa manufacture royale de faïence. Et c'est également la ville de naissance de Jean-Pierre Coff et André Grusse, le clown et fondateur du cirque. Voilà. Je ne savais pas que Jean-Pierre Coff était originaire de Lunéville. Alors, je ne sais pas s'il est à l'origine de la recette du baba au rhum. Je crois que c'était bien avant. Mais on ira lui poser la question. Peut-être qu'il est dans les tribunes ce soir. Ah. On va voir. On va voir. Il y a plein de surprises dans ce match, bien sûr. Un partout entre Vémorange et Lunéville. Et on s'approche. On a déjà vu deux buts. On a déjà vu deux buts, ouais. Les mauvaises langues qui disaient ça va encore faire 0-0 comme les demi-finales. Mais non, bien sûr que non. La télé est venue aujourd'hui. Et quand la télé vient, il y a forcément des buts. Ah, c'est très bien joué ça. Le ballon qui va filer à droite. C'était un ballon de Kiffer. Attention, ce bon centre. Oh là là, c'est pas vrai. Le deuxième but. Et il me semble. Et il me semble que Gildorf ne la touche pas. Cette balle. Une action magnifique. Et il me semble que Gildorf ne la touche pas. Je crois que c'est Porzi sur une frappe directe sur celui-là, le côté droit. Celui-là, il fait du bien pour Vémorange. Alors, il va faire du mal à Lunéville parce qu'on est à la 43e. Et on va rentrer bientôt dans les arrêts de jeu d'ici une minute. Et il me semble que c'est Porzi. Il me semble que de là où on était, c'était un petit peu compliqué, mais Gildorf ne semble pas la toucher, ou alors du bout du pied. En tout cas, Gildorf peut-être ne la touche-t-il pas, mais il gêne le gardien. Tout à fait, c'est vrai. Voilà. Il fait action de jeu. Et là voilà, la ferveur des Verts de Vémorange. Le renversement de jeu qui a donné le ballon à Porzi, ça a été vraiment une excellente chose. Bon, après, je pense que le Porzi a voulu surtout mettre un ballon dans les 6 mètres adverses et il l'a tiré puissant ce ballon puissant avec ce gardien qui s'est montré quand même hésitant sur cette action. Mais bon, compte tenu de la puissance du ballon, il avait du mal à intervenir. La gêne occasionnée par la présence de Gildor, peut-être l'a-t-il touché un peu. Tout ça a fait qu'on a eu droit vraiment à un but magnifique sur deux renversements de jeu. On était à gauche, on est parti à droite et à droite on est revenu dans l'axe. Et j'ai envie de vous dire, sur les peu d'occasions qu'ont eu Vémorange depuis le début de cette partie, ils ont été, c'est presque du 100% là pour le moment. Oui, à part sur le hors-jeu du début du début de partie. Mais ne le comptons pas comme une occasion puisqu'il y avait hors-jeu. Et là, attention, parce qu'il y a un nouveau coup franc pour Vémorange. Il va venir de la droite directement dans la boîte. Oh, attention, il est bien esselé. Il est bien esselé, notre ami. Et dites donc, Berardi. Si Gildorf la touche, c'est... Il en est à son doublé alors. Ouais. Et je vais regarder mes petites statistiques. Gildorf qui en est dans cette Coupe de Lorraine, il en est à 5 buts. Oh non, attendez, je vous dis une énorme bêtise. Gildorf, il me semble que c'est son premier but marqué. Peut-être le deuxième s'il l'a touché. Oui, peut-être le deuxième. Ça serait ses deux premiers buts en Coupe de Lorraine. Eh bien écoutez, il a bien choisi son moment en tout cas. J'ai Yutchenkov qui me pose une question, qui me dit est-ce que Vémorange va-t-il supporter la pression? Pour le moment, c'est Vémorange qui met la pression. Hein. Oui. Le corner qui est bien parti au deuxième poteau, mais ça va sortir directement sorti du but. C'est dommage, peut-être il un peu de précipitation. De chaque munition. Un peu d'euphorie, peut-être pour les Verts. Et si Sébastien Porzi était l'auteur de ce deuxième but, et ben ce serait tout simplement son dixième but. Je vous promets qu'à la mi-temps, on va aller regarder tout ça. Et on essaiera de vous dire, bien sûr, de vous donner le buteur. Moi, je mets quand même un billet sur Porzi. Comme je vous le disais tout à l'heure, le ballon qui est dans les pieds des joueurs de Lunéville. Goncalves côté droit. Oh, Goncalves, il a réussi à passer. C'est bien fait. On avait retrouvé du grillon. C'est bien fait. C'est à côté droit du grillon qui va pouvoir centrer. Attention. Mais on sent quand même que des consignes ont été données pour maîtriser Goncalves. Dès qu'il touche le ballon, il y a du vert qui se rapproche. Il y a deux garçons. C'est simple, ils sont deux. Le ballon qui est toujours dans les pieds des Blancs et la frappe lointaine. Alors ça, à c'est nouveau. Une solution, mais là, on peut même parler d'aveu d'impuissance. Hein, parce que c'est là, un peu est ça. À 35 mètres, 40 mètres. Le ballon qui est revenu dans les pieds des joueurs de Lunéville, les Lunévillois. Goncalves de l'autre côté, il permute beaucoup Goncalves, hein. Très mobile, il a fait la différence, il va pouvoir centrer, il y a le grand. Ouh, le mauvais contrôle malheureusement. Le mauvais contrôle de Bombino
Et un en dernier fait, corner, sans doute, en fait, pour clôturer cette première mi-temps. Le problème avec Goncalves, c'est que quand le ballon est perdu, il ne s'occupe pas du tout de la récupération. Mais dès que le ballon est récupéré, Lunéville joue sur lui. Et souvent, il trouve la lumière. Le corner qui est bien parti, peut-être pas assez levé au premier poteau. Et c'est la mi-temps. Hein. C'est pas la fin du match. À voir les supporters de Vémorange debout. On aurait pu le penser, mais en tout cas, pour le moment, Vémorange, qui est à la moitié d'un exploit dans cette Coupe de Lorraine. Vémorange qui mène 2-1 face à Lunéville. Voilà, écoutez Gabi, qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur cette première mi-temps? Dans les débats, on peut pas dire que Vémorange a vraiment dominé, mais en tout cas Vémorange a fait preuve de beaucoup plus de cœur. Et en tout cas de beaucoup plus d'efficacité. Aussi. Je dirais que Vémorange m'a quand même surpris parce que les 20 premières minutes, ils ont joué dans le camp lunévillois. Je pense que l'occupation était partagée, on était à du 50-50. Ils ont ouvert le score sur leur deuxième occasion. La première, le Gildorf avait été signalé hors jeu. Ensuite, il y a eu une domination assez stérile de la part de Lunéville. Un schéma qui va comme un gant à la défense de Vémorange. Il a fallu quand même cette hésitation à la 43e minute pour que Dugrillon égalise. On pensait qu'on arriverait à égalité à la mi-temps. Et il y a eu ce formidable deuxième but. Renversement de jeu, 50 mètres, on trouve Porzi le long de la ligne de touche, qui lui trouve Gildorf dans les 6 mètres à la faveur d'un centre très puissant. Est-ce que Gildorf l'a touché? Toujours est-il, on peut dire qu'il a gêné quand même l'intervention du gardien. Et Vémorange mène 2-1 au meilleur des moments de cette première mi-temps. Vous rentrez au vestiaire, vous avez pris un but, vous en avez mis un, l'ambiance n'est pas la même. Hein. On va aller justement écouter eh bien les discours, on va se mettre juste derrière la porte mon cher Gabi si vous le voulez bien, on va écouter les discours de Christophe Granvaux et d'Éric Braun bien sûr pour eh bien voir quelles vont être les consignes justement dans cette deuxième période. On vous attend d'ailleurs nombreux pour suivre cette deuxième période avec nous. Le suspense reste entier ici au stade Saint-Symphorien, 2-1 pour Vémorange, mais rien n'est terminé, à tout de suite.
De retour ici au Stade Saint-Symphorien, on l'a dit, Vemrange mène 2-1 face à Lunéville et la seconde mi-temps qui va commencer d'un instant à l'autre. Comment Lunéville pourrait renverser la vapeur, mon cher Gabi? Bon ben, je crois qu'ils ont renversé une première fois la vapeur, pourquoi pas une deuxième fois. Je crois qu'il faudra qu'ils fassent preuve de patience. Ils savent que en face d'eux, ils vont avoir une équipe organisée. Ils se sont fait surprendre une fois, ils auront du mal à les surprendre une deuxième fois. Tout ça, c'est sûr que le deuxième but là, c'est pas terrible pour Lunéville, mais il y a toujours moyen. Et en tout cas, ça fait. Je pense que la solution, elle est surtout pas dans l'énervement, dans la crispation. Elle est dans la patience, dans la construction du jeu, dans la cohérence. Le mi-temps, la deuxième mi-temps qui va bientôt repartir, bien sûr, d'ici un instant. Gabi, on va vous mettre dans la peau d'Eric Braun. À la place du coach de Lunéville, qu'est-ce que vous auriez dit à vos garçons à la mi-temps? Bah, les gars, on n'a pas fait ce qu'il fallait durant cette première mi-temps. Il faut qu'on fasse ce qu'il faut durant cette deuxième mi-temps. Une Coupe de Lorraine, vous ne pouvez pas vous rattraper dimanche d'après. En plus, là, c'est la fin de la saison. Donc, il faut tout donner, mais en tout cas, dans l'intelligence, dans la cohérence, dans la construction, dans la patience. Je crois que s'ils commencent à balancer des ballons dans la surface adverse entre Tardivo, Berardi et derrière Berzweiler, ça va être un régal pour récupérer des ballons. Donc, il faut qu'ils fassent ce qu'ils ont fait en première mi-temps, une attaque-défense, et ne pas se faire surprendre en contre. Hein, parce que ça surtout, aussi... surtout. Parce que le troisième, ça serait pratiquement le match plié. Ah oui. Et là, dans ces cas-là, eh bien, on rejoindrait le pronostic de notre Twittos qui nous annonçait un 3-1 pour cette équipe tout simplement de Vémange. Bah, écoutez, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt dans cette deuxième période. Je suis allé me renseigner, Gabi, oui. À la mi-temps, savoir qui était exactement le deuxième buteur. Alors, j'ai un petit souci parce que le speaker donc a annoncé le deuxième but pour David Gildorf, mais on a discuté un petit peu avec tout simplement les délégués du match et les délégués me disaient qu'ils étaient pas sûrs que ce soit Gildorf, mais peut-être plus Porzi. Alors écoutez, quid de la situation, on va attendre et suivre cela avec beaucoup d'intérêt et on vous donnera l'information promis au cours de cette deuxième période. Les langues se déliront à la fin du match. Voilà. Surtout si Vemrange passe. Ouais. Parce que le nom du buteur, il aura peu d'importance. Et si Gildorf et Porzi nous disent que tous les deux ont marqué, bah écoutez, comme ça on sera vernis. Le ballon qui est dans les pieds des Verts et ce dégagement complètement dévissé par le latéral droit de Vemrange. Ah, premier changement. Tout à fait, avec l'entrée en jeu de... tout simplement Benjamin Marais qui va sortir. C'est un classique. Qui va rentrer à la place justement du buteur David Gildorf. Alors, quid toujours de savoir si c'est le buteur ou le double buteur. Mais en tout cas, il est ovationné ce David Gildorf en sortant. Il avait pris un carton jaune également. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer dans la décision de Christophe Granvaux? Je pense. Surtout que. Sur l'égalisation, il a failli prendre le rouge. Oui, c'est vrai. Et bon, là, apparemment, c'est une décision qui a été. Qu'il a bien comprise. Mais bon, quand Marais rentre, avec sa fraîcheur, il fait toujours du bien à Vemrange. Hein. En effet, et on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. C'est du poste pour poste, en tout cas, du côté de Vemrange. C'est un schéma qu'on a retrouvé quand même de nombreuses fois cette saison. Et pour le coup, on reste sur notre 3-5-2. La formation avec laquelle Vemrange a débuté ce match, même si là c'est Lunéville et Chautin en l'occurrence qui va jouer ce ballon avec André. André, on retrouve ici le capitaine et libéraux de cette équipe qui s'appuie sur Dugrillon. Oula. Dugrillon qui a été balancé par Lozière. Il reste au sol d'ailleurs Dugrillon, j'espère que ce n'est pas trop grave. Oh, il prend le jaune. Là, ça y est, maintenant, il n'y aura plus de... plus d'avertissements verbaux, ça. Il n'y aura plus de grâce arbitrale. Hein. Et le voilà, le deuxième carton de cette partie, il est pour Lozière. Gildorf en avait pris un également. Et Chautin en a pris un, finalement, en première mi-temps. Chautin également en a pris un, oui. Ouais, donc maintenant, ça va défiler. Hein. Attention à ne pas se faire pénaliser. Et là, Lozière, dans un rôle de demi-défensif, avec un carton, ça va quand même le limiter dans ses interventions. Hein.
Et Eric Braun nous disait justement que c'était un peu la déconvenue qui leur était arrivée en 2011. En finale, du côté de Marcel Picot. Attention à cette bonne contre-attaque qui va être menée par Porzi. Ça s'est bien fait avec Marais. Marais qui garde le ballon, qui va peut-être pouvoir centrer. Mais très bon retour de Goncalves. Il est partout, Anthony Goncalves. Les frères Goncalves, bien sûr. Hein. Parce qu'on a l'impression que Goncalves fait un grand match. Mais ils sont deux, c'est ça qu'il faut dire aussi. Hein. Ils sont deux sur le terrain. Il y en a quand même un qui est meilleur que l'autre. Hein. Ah, ça je voulais juger. Hein. C'est vous le coach. Hein. Ah, Anthony, c'est quand même la classe au-dessus. Hein. C'est vrai qu'Anthony est très fort. Ah, c'est un gars qui pourrait jouer au niveau national. Hein. Mais attention, Alan va vous faire, il va vous faire mentir là. Hein. Ah non, non, mais vous le poussez à vous faire mentir là. Je ne dénigre pas du tout son frère, mais bon, franchement, comme joueur amateur en Lorraine, Goncalves, c'est quand même ce qui se fait. Peut-être pas de mieux, mais parmi le mieux. Et on parlait d'un système avec libéraux du côté de Lunéville. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coach Christophe Granvaux, c'est un libéraux lui, du côté de Vémerange, lorsqu'il était joueur. Oui, oui, oui. Oh, attention, Kiefer qui a complètement manqué ce dégagement. Kiefer, une deuxième chance. Et coup de sifflet de Monsieur Sammartino, qui lui aussi va recevoir sa coupe, hein, du coup. Oui, oui. En tant que meilleur arbitre de cette Coupe de Lorraine. Alors qu'il y a un joueur de Vémange qui est au sol, qui va se relever, tant bien que mal. Et Berzweiler, qui va se positionner pour dégager ce ballon. Le bloc de Vémange qui va pouvoir remonter d'un cran, c'est important. Ça va leur donner de l'air, excusez-moi, à ces verts. Les verts fluo. Le ballon qui file dans les airs. Porzi qui a bien fait. Joué, oh, c'était très beau. En tout cas, le bon centre bien contré. Figurez-vous que le centreur, là, il a 35 ans. Hein. Oui, tout à fait. Stenmes, 35 ans, le garçon le plus expérimenté hein, de cette équipe. Lui, il a joué en DH. Et lui a joué en DH, tout à fait. Et d'ailleurs, mis à part lui, hein, qui a plus de 30 ans, je crois qu'on est sur une moyenne d'âge de près de 23 ou 24 ans du côté de Vémerange. Vémerange qui a fait confiance hein, à sa formation, puisque plus de la moitié des joueurs sont issus eh bien, de la formation des Verts et bien sûr sont passés par les notamment U11 et U13. C'est énorme. Il a quand même une paire qui sont passées par le Thionville FC. Hein. Je vous reconnais bien là, Gabi. Dans la précision ultime quand il s'agit de mettre en valeur votre club, Thionville. Dacuna, je l'ai connu à Thionville en 15 ans. Berardi a fait un petit séjour à Thionville. Bon, alors après, il faudrait que je les voie un après l'autre. Oh, le beau tacle, c'était bien fait ça. Ah. Mais on va attention, Lozière, attention, t'as ouais. Déjà le jaune. Ouais, il a déjà pris un jaune, attention. Le coup franc qui était rapidement joué par Lunéville. Oh, ça, on s'est peut-être un peu trop précipité du côté des Blancs. Et je vous rappelle que vous pouvez bien sûr commenter ce match avec nous via le hashtag Coupe Lorraine. Le petit dièse, vous mettez Coupe Lorraine tout attaché, sans faute d'orthographe surtout parce que je pourrais pas retrouver votre tweet. Et puis, bien sûr, eh bien, voilà, le hashtag est sur votre écran. Regardez bien cela. Vous nous envoyez vos messages et nous, on lira les meilleurs. On en reçoit beaucoup. Hein. Je suis désolé d'ailleurs vis-à-vis de nos tweetos. Qui eh bien, nous pose de nombreuses questions, comme Yutchenkov qui nous dit: vous ne pensez pas que le banc de Lunéville peut faire la différence? Tiens, Gabi, c'est une bonne question ça. Sauf que je connais bien le banc de Vémerange, je connais moins bien le banc de Lunéville. Je vais regarder un peu. Et surtout qu'il y a 5 absents hein, du côté de Lunéville, 5 titulaires en puissance. Ouais, donc normalement, on a affaire au 17e, au 18e, au 19e, au 20e, au 21e. Hein, c'est quand même. Bon. Ou alors ils ont un effectif monstre. Le bon appel de balle côté droit pour Vémerange. Et notamment ce numéro 8, Dacuna. Ça fait deux interventions là du milieu de terrain lunévillois. Excellente. Hein. Oui, tout à fait. Le Caron, le numéro 6, si je ne m'abuse, Gabi. Le ballon. Ah, on a du mal à passer le milieu de terrain du côté de Lunéville. Cette équipe de Lunéville qui est un peu coupée en deux hein, au niveau du milieu de terrain depuis le début de cette deuxième période. Ça manque de lien entre les milieux et les attaquants.
Enfin, moi je dis ça, c'est vous le coach, hein, Gabi. Je ne sais pas si je m'avance pas un peu trop. Bah, disons que pour l'instant, je trouve qu'ils sont assez cohérents dans ce qu'ils font. Parce qu'ils construisent patiemment leur jeu. Bon, après, c'est une autre chose d'être dangereux. Hein. Et là, ils obtiennent un corner. Ouais, tout à fait, avec cette bonne action qui a été bien menée par Legrand. Et un nouveau corner pour Lunéville. Là aussi, la statistique ne trompe pas. Hein. Puisque tout simplement, Vemrange n'a eu qu'un seul corner et je crois que c'est le sixième corner pour Lunéville, si mes calculs sont bons. Un corner qui va être joué de la gauche vers la droite. C'est bien parti. Oh là là, bien boxé. Égalisation pour Lunéville. Et c'est l'égalisation tout simplement de Dugrillon qui marque son deuxième but. J'ai même l'impression que c'est le gardien qui est sur le coin. Ouais, but de casquette, hein. Je crois, il me semble que Berzweiler a dégagé du point sur la tête de Dugrillon. Et bien voilà. Dugrillon qui met un doublé pour Lunéville. Et tout est à refaire à nouveau pour Vémrange. Deux buts partout dans le début de cette deuxième mi-temps. Rien n'est jamais terminé. Oui, il y a des supporters de Lunéville, bien sûr, dans ce stade sans rien. Ça récompense quand même une action bien construite qui a amené le corner. Bon, après, on dira pas quand même que le corner, ça a été, le score rétabli, ça a été lumineux. Et toujours est-il que c'est 2-2. Et là, maintenant, dans les têtes vémangeoises, on peut se dire, c'est une finale qu'on va perdre alors qu'on menait deux fois. Parce que mener deux fois dans une finale, là, c'est du luxe. Hein. Et oui, et surtout sur deux erreurs. Hein, deux erreurs. Alors, ouais. Je ne sais pas s'il faut incriminer le gardien ou la défense. Mais écoutez, sur deux erreurs défensives, dirons-nous. Bah, on ne peut pas dire quand même que c'est des actions super construites. Oh, attention avec cette frappe qui est bien là, partie. Par contre, ça construit là. Tout à fait. Ils sont un peu KO là, Vémrange. Il faut qu'ils se reprennent là. Et c'était André. Je me demande d'ailleurs s'il ne faudrait pas du coaching, mais bon. Faut pas s'emballer non plus. Hein. On va attendre un petit peu. Le match va être encore long, Gabi. Et c'était André qui avait frappé bien au-dessus des buts de Berzweiler. Pour l'instant, la finale n'est pas perdue, hein, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais Lunéville, quand même, a fait deux fois le chemin. Hein. Ça, c'est au niveau du moral, c'est quand même excellent. Hein. Et il pourrait avoir des regrets, ces joueurs de Vémange, si jamais la tendance devait s'inverser. Et en tout cas, c'est une marque de caractère hein, pour cette équipe que l'on disait en début de retransmission, touchée physiquement et psychologiquement par cette descente en DH. Les joueurs ont montré qu'ils avaient un sens de la réaction et qu'ils pouvaient le faire à différence à tout moment. Ah, ça a refroidi un peu l'ambiance même dans les tribunes. Hein. Et je peux vous dire que sur Twitter, j'ai un joueur de Sarrebourg qui me dit qu'il soutient Vémrange. C'est Poupou 09. Alors 09, ça doit être son numéro. Je vous avouerai, je connais pas l'effectif de Sarrebourg par cœur. Oui, mais Sarrebourg, le club. Le FT. Turc. Oui, donc le FT, le club turc. Ouais, tout à fait. Qui a été éliminé, voilà, tout à fait. Qui a été éliminé en demi-finale. Qui a fait une super saison. Qui a été éliminé en demi-finale, tout simplement par. Qui monte en PHR. Qui est en demi-finale de la Coupe de Lorraine. Qui s'est fait éliminer, je crois qu'ils n'ont même pas joué la Coupe de Moselle. Oui, tout à fait, un tout petit club. Parce qu'ils n'avaient plus de place dans le calendrier. Qui avait été éliminé par Lunéville au tir au but, 4 à 3. Eh bien, on salue hein, des acteurs. Devant 1000 spectateurs. Devant 1000 spectateurs, tout à fait, du côté de Sarrebourg. J'ai l'impression même qu'il y a une passation de pouvoir. J'espère que ce n'est pas la même qu'à Thionville. mais à Sarrebourg, le FC Sarrebourg descend en PH. Et c'est l'EFT. L'EFT, tout à fait. L'EFT monte en PHR, donc il reste plus grand-chose d'écart. Hein. Un club, bien sûr, qui réunit la communauté turque de Sarrebourg, l'EFT. J'ai Thank You God Always qui me dit Mathieu Kiefer est aussi issu de Thionville FC. C'est vrai. Voilà. Non, mais quelque part, on est quand même sur le terrain, Thionville. Ah, et vous vouliez la jouer cette finale, mon cher Gabi, je vous comprends. Oh, attention, il va falloir s'imposer dans les airs du côté de Meyer et ça a été très bien fait. On va relancer tout de suite le ballon côté droit et on cherche tout de suite hein, Legrand en première intention. Il est passé d'ailleurs, Legrand. Legrand, je l'ai connu lorsque Thionville était en CFA2, il se blessait pratiquement tous les 6 semaines. Là, il a retrouvé quand même des jambes. Hein. Et dit Legrand, un vrai attaquant de pointe. Hein. Ah oui,
C'est un gars que j'ai connu avant qu'il connaisse sa période de blessure. C'était quand même très très intéressant. Hein. Alors on va parler un petit peu des métiers des différents joueurs hein. Du côté de Vémerange, le coach et professeur, on vous en a parlé. Il y a un agent immobilier, un proviseur adjoint, vous en avez parlé mon cher Gabi. C'est un peu ça la mixité sociale aussi du voilà. Football. Hein. Il y a quelques gars qui travaillent au Luxembourg, hein. C'est exactement. Un peu normal. Hein. On est juste dans l'immobilier notamment. Il est près de la bretelle de l'autoroute via Luxembourg. Et cette équipe, pour s'entraîner, donc il y a 3 séances par semaine. Et ces 3 séances sont menées à chaque fois par Christophe Granvaux. Ça, c'est pour une fois. Et les autres fois, c'est tout simplement ses adjoints, Daniel Poulet. Et bien sûr, Gérald Guézy. Oui, je voulais parler un peu de ce trio-là. Il a fallu quand même beaucoup d'intelligence de la part de ces 3 personnages pour que ça marche. Parce que souvent, rien que des binômes, ça a beaucoup de difficultés pour fonctionner. Et là, ils étaient à 3. Et ils ont fait preuve, à mon avis, de beaucoup d'intelligence. Ils ont su mettre quand même le club avant leur personnalité. Ce qui fait qu'ils ont fait une super saison. Il faut les féliciter. Hein. Et la faute sur Porzi, on les félicite tout à fait. Faute subie par Porzi. Et Vémerange va pouvoir, du coup, se dégager. Et faire remonter à nouveau son bloc. La touche qui va être pour Lunéville et notamment Chautin. Chautin qui va chercher une solution du côté de Lunéville. Hein, pareil, hein, les joueurs bien sûr ne sont pas professionnels, on vous l'a dit tout à l'heure. On a tout également. Des étudiants, un postier, un commercial. Les Goncalves, ils font quoi le... Alors les Goncalves, l'un des frères Goncalves a monté, c'est un entrepreneur, il a monté avec un de ses coéquipiers qui ne joue pas ce soir, il a monté un centre de balnéothérapie. Ah. Voilà, donc on a des joueurs entrepreneurs. Pour tous ceux qui penseraient ou diraient les mauvaises langues que le football n'est pas un milieu. Attention avec cette. Il a joué ça. Oh oui, Porzi, c'était bien fait. Peut-être en a-t-il un peu trop fait, il y avait quelques solutions avec lui, mais c'est peut-être pas terminé. C'est pas fini. Puisque les Verts ont récupéré la balle. Et d'ailleurs, ce n'était pas Porzi, hein, c'était Steinmetz. Est-ce que Steinmetz tiendra 90 minutes? Ah, ça c'est la grande question. 35 ans le garçon, imaginez, le plus expérimenté. Parce que généralement, c'est toujours à ce niveau-là que s'opèrent les changements à Vémerange. On a des plombiers aussi du côté de Lunéville, enfin tout. Moi, un. Si j'étais Vémerange, je me méfierais parce que pour l'instant, on n'a pas vu le Goncalves des grands jours. Hein. C'est vrai. Des grands soirs. C'est vrai. Et il est capable de gagner un match à lui tout seul. Hein. Donc je me méfierai dans la dernière demi-heure. Ah, c'est des punchers. Hein. Goncalves et Dugrillon, tous les deux. Il vaut mieux les surveiller. Et pour le moment, eh bien, Vémerange n'abdique pas. Dugrillon, je découvre. Hein. C'est... Je connaissais pas. Eh bien, moi aussi, écoutez. J'étais plus habitué au championnat national cette saison. Mais je prends beaucoup de plaisir à commenter ce match avec vous, Gabi, dans ce stade Saint-Symphorien. Et avec vous-même, derrière votre écran, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. Hashtag Coupe de Lorraine, bien sûr. Coupe Lorraine, tout simplement. Le ballon qui va revenir vers Kiefer. Oh oui, la belle ouverture, elle est belle, elle est magnifique. Oh, la sortie, c'est pas fini, le vendange. Oh oui, mais qu'a signalé Monsieur Sammartino. Non, il y a Sinek, hein. Bambino, là, il loupe la balle. J'espère que c'est pas la balle de match. Hein. Ah oui, parce que là, il y a une grosse hésitation du gardien. Il était à la lutte avec Steinmetz. On peut pas dire que Steinmetz soit très imposant dans les airs. Mais toujours est-il que le ballon est arrivé à Bambino. Il aurait fallu un peu plus de justesse technique là pour qu'il la place de l'intérieur. Il a choisi la reprise de volée. Elle a été dans les nuages. Enfin, pas dans les nuages, dans les tribunes. Dans les nuages, c'est un Vémerange. Gabi, je viens de me faire gronder par Caroline Cazenas qui me dit que ce n'est pas marée, mais maraise. Toutes mes excuses aux supporters bien sûr de Vémerange. Je dirais donc Marez à partir de maintenant. Elle a l'air de bien le connaître quand oui, même. Oui, hein. Bon. On n'en saura pas plus. Le ballon dans les pieds des Verts. Et là il y a un coup à jouer. Là il y a un coup à jouer pour Vémerange. Oh la frappe directe. C'était bien tenté. C'est des coups comme ça qu'il va falloir tenter pour les Verts. Et là, en, tout cas, en l'occurrence. Vémerange a bien réagi après l'égalisation. Hein. Tout à fait. Et là en l'occurrence c'était Dacuña. Le numéro 8 de ce milieu de terrain à 5. Et c'est vrai qu'il y a plus de densité verte hein, dans ce milieu de terrain en deuxième période. Ce qui explique peut-être pourquoi Vémerange est bien dans cette seconde période, Gabi.
C'est déjà pas mal. Ils ont digéré cette égalisation. Il faut pas que ça, faut pas que ça trotte trop dans les têtes, quoi. En se disant, purée, c'est pas possible. On avait deux fois la coupe en main. On n'a pas su la garder. Non, il faut jouer. Bon, il faut qu'ils jouent avec cette innocence, cette naïveté, je dirais même. Cette fraîcheur qui a été la leur toute cette saison. Ils ont quand même éliminé Jarville. Ils ont éliminé Amnéville à Amnéville. C'était quand même les grands favoris de cette Coupe de Lorraine. Ah, il y a eu quelques exploits. Il y a eu quelques exploits pour ces joueurs de Vémerange qui ont sorti également Mondelange en 32e. Jarville, vous l'avez dit, en 16e. Et Villerue n'a pas été une sinécure. Et puis également Königsmacher, si je l'ai bien prononcé. Un bon derby. En 8e de finale. Amnéville au tir au but. Et bien sûr, Villerupt, oui, ça, Villerupt en demi-finale. Et d'ailleurs, hein, ce qu'il faut signaler, c'est que Vémerange n'est plus marqué dans cette coupe depuis les huitièmes de finale. Puisqu'en quart, ils avaient fait 0-0, ça s'était terminé au tir au but. 5 tirs au but à 6 pour Vémerange. Et bien sûr, en demi-finale, ils avaient fait 0-0 contre Villerupt. Et ils avaient gagné 5 tirs au but à 4. Mais vous savez que le début de saison de Vémerange, ça a été un enfer. Un long calvaire. Non seulement ils n'ont pas marqué de but pendant 4 matchs, ils ont pris un point à l'Ayangeau. Ouais, en jeu de Panzi. Et en plus, en Coupe de France, je crois qu'ils ont été à Vilain. Il y a eu un problème de licence. Ils avaient gagné 8-1. Et à cause d'un problème de licence, eh bien, ils ont perdu ce match sur tapis vert. Ce qui fait que c'est rarissime qu'un participant à la finale de la Coupe de Lorraine joue autant de matchs pour y arriver. Exactement. Mais eux, ils sont rentrés tout de suite en Coupe de Lorraine puisqu'ils ont été éliminés au premier tour de la Coupe de France. Je crois qu'ils sont rentrés au deuxième tour, il me semble, de la Coupe de Lorraine. Ça leur a fait du bien parce que c'est là qu'ils ont marqué leur premier but de la saison. Et c'est sans doute là, en tout cas, qu'ils ont accumulé beaucoup de confiance. Il me semble. Voilà, c'est ça. Le nouveau coup franc pour Lunéville et pour Beson. Beson qui va changer complètement de côté et chercher André, le capitaine. Bon, là, on sent quand même plus de maturité dans le jeu lunévillois. C'est un jeu construit. Ça manque quand même de vitesse dans les transmissions. Ce qui fait que ça fait le jeu un peu de Vémerange. Mais Vémerange ne jouera pas ce même jeu que Lunéville. Eux, en trois passes, ils veulent se retrouver devant le but adverse. Et puis là, ce qu'on est en train de voir, Gabi, c'est ce fameux bloc défensif, voilà. Cette défense à 11. C'est-à-dire que là, les 11 joueurs de Vémerange sont dans leur moitié de terrain. Et c'est très compliqué pour Lunéville de trouver la faille. On les voit, hein, on redouble les places, notamment là avec Dugrillon. Et Kiefer qui va aller le harceler. Et on ne lâche rien du côté des Verts, comme du côté des Blancs. Peut-être une frappe de loin, non, un petit ballon piqué dans la surface qui ne donnera rien, au moins pour le moment. Kiefer qui se bat bien avec Dugrillon. Goncalves. Qui va passer côté droit vers André. Dédoublement là-haut. Ouais, c'est bien fait ça. Avec ce centre à venir, bien capté par Besweiler. L'action est quand même belle. Tout à fait. Cohérente, bien construite. Et j'ai Alberto Filippelli qui me dit j'attends l'entrée de Pierre-Antoine Peverini. Ça, c'est du côté de Vémerange. Et puis un petit message, tiens, à Pierre-Antoine Peverini. Ton père regarde d'en haut. Bonne chance, mon ami. Eh oui, on doit quand même avoir une petite pensée pour celui qu'on appelait Pépone. Parce que c'est un bon copain, un amoureux du football, un passionné. Et de retrouver son fils jouant une finale de Coupe de Lorraine. De là-haut, ça doit lui faire du bien. Le 12e homme. Il est quand même parti trop vite. Le 12e homme du côté de Vémerange. Et on a une pensée pour toute la famille Peverini, bien sûr. Et d'ailleurs, hein, Poupou 09, hein, le fameux joueur. Oh là, ça gronde. Poupou 09, le fameux joueur de l'EFT Sarrebourg qui me dit qu'ils sont en finale de la Coupe de Moselle. Ah. Donc on les encourage bien sûr. Et donc on est derrière eux. Ils joueront à Uckange. Eh ouais, là il y a un bon coup franc. Il y a un bon coup franc pour les Verts et Vémerange. Alors là attention, parce que je vous l'ai dit. Il y a Kiefer qui se rapproche. Il y a Kiefer et Stenmes, attention. Alors les deux garçons, c'est des artilleurs. Alors c'est plutôt pour un gaucher, hein. Ouais, tout à fait.
Donc, pour le coup, ça serait plus pour Steinmetz, si je me trompe pas. Oui. Alors, ça discute. On cache la bouche pour parler. Je me sens. À qui le tour ? Et pourquoi pas un nouveau but ? Tout doucement, ça devient des balles de match. Hein. Tout à fait. 24e minute dans cette deuxième période. Et cette balle va être importante pour tout le peuple vert qui chante, qui saute, qui danse. Et on va vous faire profiter de cette ambiance. Et il a l'air gaucher, Kiefer, oui. C'est Kiefer, tout à fait. Oh, ça a été dévié par le mur. Et ce ballon qui va sortir en corner. Le deuxième corner seulement pour Vémrange. Je suis en train de regarder si des changements vont se faire. Et je peux vous dire, deux styles de coach différents. Hein. Christophe Granvaux est debout depuis le début du match. Eric Braun, lui, un peu plus dans la guitoune. Ah, il s'est levé. Là, ça y est. Il s'est levé. Il vous a entendu. Le corner qui est bien parti. Attention au deuxième poteau. Et oui, bien sûr, il y avait une faute du capitaine Tardivon. Très bon de la tête également. Et son 1m90, Eric Braun tout à fait, qui est désormais debout. Il est en train de sortir de son rectangle. Hein. Monsieur Eric, hein, je te vois. Je te dénonce. Et Christophe Granvaux, en tout cas, qui se mord les pouces, mord les ongles. Lui aussi, les ongles. Ça doit trottiner dans la tête. Hein. Ouh, je ne sais pas si on aura beaucoup d'ongles à la fin du match. Attention, avec Goncalves qui a bien pris la profondeur. Bien arrêté, mais il est toujours debout, Goncalves. Il va pouvoir centrer. Ouh, elle est encore bonne. Il y a du grillon qui va arriver. Mais la bonne couverture de balle de Steinmetz. Et que va nous signaler monsieur Saint-Martino, parce qu'il coupe quand même l'élan du Névillois. Hein. Tout à fait, il va leur accorder un coup franc. Non, balle à terre. Pour moi, ça serait une balle à terre. En effet, oui. Toutes mes excuses. Vous êtes excusé. Merci, grand chef. Allez, j'ai un nouveau pronostic. Aurel. Vem va gagner 4-2. Écoutez, n'hésitez pas. Vous ne pouvez pas parier sur le foot amateur, je vous le rappelle, mes amis. Et c'est tant mieux. Pas un cadeau quand même, là. Ah oui, là. Il manquerait plus qu'il fasse le pressing sur la tour. Oui. Là, on serait vernis. Et j'ai Raphaël Herrin qui me dit, en cas de match nul, il y a prolongation ou directement les tirs au but? Non. Il y a bien 30 minutes de prolongation, demi-temps dans un quart d'heure. Contrairement à la Coupe de Lorraine féminine que vous avez suivie, non pas en direct la semaine passée, mais dont vous avez sans doute vu le résumé sur internet également, où on avait joué les tirs au but directement à la fin du temps réglementaire au bout des 90 minutes. Oh, ça c'est bien fait ça. Oh, ça c'est bien fait. Goncalves, il va profiter. La frappe, on s'est bien boxé. Par Berzweiler. Tout doucement quand même, Lunéville prend le dessus. Hein. Et là, Berzweiler, il a sorti deux ballons très importants pour Vémrange et Lunéville. Lunéville qui revient bien, attention à cette frappe. Pop. Le grand bien contré par la défense de Vémrange. Un peu de relâchement dans les gestes défensifs du côté de Vémrange. Et un nouveau changement avec l'entrée de Florian Bell. Florian Bell qui va donc pénétrer sur cette pelouse. À la place de qui ? Ah, ça c'est la grande question. On va suivre ça bien sûr avec beaucoup d'intérêt. Oh là là, la frappe et le but ! Et le but pour Lunéville ! Oh oui ! Et là, c'est peut-être le coup de pouce, je ne sais pas. Et je vous disais que Beson montait à chaque fois sur les phases arrêtées. Eh bien c'est lui qui marque. C'est lui qui marque sur cette action. Et bien voilà, Lunéville qui mène désormais pour la première fois de cette rencontre. Par 3-2. Et là, la tension redescend d'un coup dans la tribune de Vémrange face à nous. Et la sortie du numéro 10 du côté de Lunéville. C'est El Ayadi qui va sortir. Et la rentrée, bien sûr, de Florian Bell, comme on vous l'annonçait tout à l'heure. Eh bien écoutez, match complètement fou, j'ai envie de vous dire. Et j'ai Yutchenkov qui me disait, le jeune joueur Bell sur le banc peut, s'il rentre, accélérer le jeu. Le banc de Lunéville est plein de jeunes pépites. Eh bien écoutez, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. La belle ouverture, là pour Vémrange, faut plus calculer. Oh, le ballon qui a été enlevé, on réclamait un pied, un jeu dangereux du côté des supporters et l'extérieur qui ne donnera rien pour Gentil. Et là, il faut plus réfléchir, hein, mon cher Gabi.
Ah oui, là, il reste 16 minutes, 17 minutes. On rentre dans le dernier quart d'heure. Alors, Granvaux fait rentrer Gourier, que j'ai bien connu à Hauturville FC. C'est un dribbleur. C'est plutôt un gars offensif dans un couloir. Bon, il, dans un bon jour, il peut créer le décalage qui va permettre l'égalisation. J'espère que les joueurs de Vémange, j'espère pour les supporters de Vémange qui nous suivent en masse, puisque on le voit sur les hashtags sur le hashtag Direct National, bien sûr que dans le hashtag Coupe Lorraine. Eh bien, j'espère que pour eux, en tout cas, ils n'ont pas pris un trop gros coup sur la tête, eux qui ont tenu 75 minutes. Pour le moment, le ballon dans les pieds de Lozière. On est désormais côté gauche. Et ouais, il va y avoir c'est un bon coup franc. Un bon coup franc là à jouer pour Vémange. Allez, en attendant que le coup franc soit joué, un petit mot sur les fêtes de prévu ce soir du côté de Vémange et Lunéville. Une fête simple, disait le président du côté de Vémange. On fera une fête avec le football unifié, une structure qui a été créée en partenariat avec l'association Iris. Mélange de personnes souffrant d'un handicap mental et des joueurs normaux. On fêtera cette coupe avec eux. Du côté de Lunéville, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un tout nouveau stade qui a été inauguré aujourd'hui à 14h. Donc, le président voulait ramener la coupe au stade pour en faire un symbole. Et surtout, le coach me disait, après avoir alors attendez, on va suivre ce coup franc, je vous en parlais après. Parce que là, ça va être chaud. Oh, ça a été enlevé du bout des doigts par Meyer, c'est pas fini. Oh, ils sont mal compris, c'est dommage. Gourier, côté gauche. Ah, c'était pas facile. J'avais dit que c'était un dribbleur. On l'a vu quand même là. Et Kiffer qui va aller récupérer ce ballon. C'est pas lui qui va jouer la touche, puisque tout simplement c'est Gentil. Il s'appuie sur Stenmes, toujours debout. Ça. Oh oui, c'est bien fait, le centre, il est parfait. La tête qui passe à côté. Oh, pop. Peut-être l'occasion du match. À moins d'un quart d'heure de la fin. Ah là, c'est une balle de 3-3. Ah Berardi. Super bien joué de la part de Stenmes, là, qui élimine dans un mouchoir de ploche. De poche son vis-à-vis, qui adresse un super centre aux 6 mètres. Là aussi, le gardien ne sort pas. Compliqué. Je pense que Berardi aurait pu mieux faire. Mais je ne suis pas un joueur de tête, moi. Et je vous disais, si ça devait en rester là, Lunéville qui donc ramènerait la coupe dans son nouveau stade. Le nouveau stade de Lunéville qui a été, je vous le disais, inauguré. Attention, aujourd'hui Goncalves. À 14h. Goncalves dans la surface. Goncalves du gauche. Ça va. Et ça va fuir en 6 mètres. Le nouveau stade de Lunéville donc, qui a été inauguré, je vous le disais, aujourd'hui à 14h. Un stade qui a coûté 3,5 millions d'euros. Non, 3,5 millions d'euros, on va y arriver. C'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Je ne voyais pas ce que venaient faire les 5 centimes dans cette histoire. Est-ce qu'ils l'ont fait sur l'ancien vélodrome? Ah, alors là, vous m'avez collé. D'accord. Voilà, Gabi m'a collé. Non, parce que lorsqu'on allait jouer à Lunéville avec Thionville, c'était toujours sur le stade Vélodrome. Mais on retrouvera les coachs, bien sûr, en interview à la fin de ce match. Je peux vous dire que les vestiaires méritaient de la nouveauté. Un petit coup de fraîcheur. Voilà. Et bien sûr, le coach Eric Braun qui me disait, si on gagne, pour exorciser cette saison qui a été un peu un calvaire, on ira faire la fête dans une boîte très connue du côté de Lunéville, le Chat Noir. Ah. Voilà. Ah, on peut pas mieux quand même. Ah bah écoutez, si ça peut leur donner un peu de souffle et un peu de grinta et de chance pour la saison à venir, qu'il n'hésite pas. Mais quoi qu'il arrive, ce sera une belle fête, la fête du football lorrain ce soir. Et c'est sûr que pour amortir leur descente, si jamais ils arrivaient à remporter cette Coupe de Lorraine, ça leur ferait énormément de bien. Bien sûr. Là, vous avez, quand vous descendez, vous savez très bien, Manu, que les joueurs ont tendance à partir. Bien sûr. Vous gagnez une Coupe de Lorraine, les gars ils se disent, bon, il y a moyen de faire quelque chose avec cette équipe, ici et ça. Je ne vais pas passer une saison morne. Donc je vais rester. C'est un nouveau départ. Mais bon, elle n'est pas encore gagnée. Hein. Rien n'est terminé. Même si, bien sûr, ce corner à suivre pour Lunéville, c'est bien parti. Attention. Oh, attention, ce ballon qui va revenir directement dans les pieds de Chotin, qui n'a rien pu faire. Et là, c'est la grande contre-attaque. Tout le monde devant, avec Tardivon, qui va trouver directement. C'était Marez qui a perdu ce ballon. Puisqu'André est bien jailli. Les défenseurs lunévillois en deuxième mi-temps ont fait ont remporté tous les duels. Et tout à fait nettement. Ce qui fait que ça a tué dans l'œuf toutes les initiatives vémrangeoises. Et ça a surtout donné
des munitions à la, au jeu lunévillois. Et les supporters en plus, de V. Quand on sait que le troisième but a été mis par un défenseur. Exactement. Le bon centre. Ouh, vers le grand, il a réussi à mettre la tête. Il y avait Goncalves qui n'était pas très loin. Et Berzweiler qui a pu se saisir de ce ballon, le dégager le plus loin possible. Et cette belle image, vous ne pouvez pas la voir sur votre écran. Mais tous les supporters de Vemranges qui sont debout. Ah, s'il pouvait rentrer sur le terrain, il le ferait, je pense. Oh, bien joué. Oh, c'est bien fait. Oh, c'est bien fait. Oh, mais Porzi, il n'y avait personne, malheureusement. C'est un peu emballé, là. Bien joué de la part de Gourier. Ça, c'est ce qu'il sait faire de mieux, Gourier. Rentrer, bien fixer le défenseur et servir le gars dans l'espace, dans l'intervalle. Et un nouveau changement pour Vemranges avec l'entrée en jeu tout simplement de celui dont on vous parlait tout à l'heure, Pierre Peverini. Et on a une pensée pour ce garçon. Et si c'était lui qui égalisait, mon cher Gabi, voilà. Et si c'était lui pour Vemranges. Et la sortie, alors je n'ai pas bien vu, il me semble que c'est une sortie de Lozière qui avait un carton jaune. Je confirme. Là tactiquement on est sur du poste pour poste, Gabi. Oui. Et il faudra quand même que Peverini prenne des risques offensifs, hein, parce que là on est à 12 minutes de la fin. Le ballon dans les pieds de Tardivon. Oh, c'est sorti cette balle et ça va donner une bonne touche à Lunéville. Et là la tension monte d'un cran dans le stade Saint-Symphorien. Où on vit une partie fort agréable. Et je voulais vous dire, remercier bien sûr tous les internautes qui nous suivent ce soir. Remercier tous ceux qui ont réagi sur l'hashtag Direct National. Kiefer, oh c'est bien fait, qui enlève ce ballon. Ah le grand, et le grand pont, ça c'est bien fait ça. On l'a dit, c'est peut-être lui l'homme du match. Non, Gourier. Gourier, excusez-moi. Allez, assiste. La balle est toujours dans les pieds des Blancs de Lunéville. Allez. Mais on a du mal à se trouver. La touche va être verte. Et vous entendez ces supporters de Vemranges qui donnent de la voix. Et on vous laisse profiter du spectacle. Oh, attention à ce ballon. Fallait pas le perdre. Oh, Legrand, il avait pris l'intervalle. Mais belle intervention une nouvelle fois de la défense verte. Et on se bat du côté des Verts. Et on va récupérer peut-être un petit quelque chose. Non, dit Monsieur Sammartino, ça sera du coup une sortie de but. Raphaël Herrin qui me dit je préfère regarder Vemranges Lunéville que les U21 Espagne-Norvège. On ne dira rien. On le comprend. Et en tout cas, je voulais vous remercier, chers Twitos, d'avoir participé à ce match. Et à vous, derrière votre écran, d'avoir été nombreux. Honnêtement, on a reçu tellement de messages aujourd'hui, je suis assez étonné, je m'y attendais pas. J'espère que vous prenez beaucoup de plaisir et le match est loin d'être terminé. Goncalves côté gauche. Oh, Goncalves, attention. Il est bien fait ce sorti tout seul, le grand. Oh là 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 là, la balle de break qui a été manquée pour Lunéville et par le grand. Où est-ce qu'on en est au niveau du chronomètre, Gabi ? De jeu, pile. Ça va être terrible jusqu'au bout. Je pense que l'arbitre va jouer 3 minutes d'arrêt de jeu. Donc il y a eu pas mal de changements, c'est vrai. Donc il y a 10 minutes. Donc tout est possible. Et honnêtement, cette partie est vraiment, vraiment équilibrée. Depuis le début, en tout cas. Quand même des regrets sur les buts encaissés par Vemranges. Hein. Ah, sur deux erreurs défensives. Hein. Deux erreurs défensives. Mais bon, même le troisième, c'est une erreur de marquage, si on peut dire. Vous avez une bête de 1m90 qui arrive, normalement il faudrait s'en occuper. Hein. Et en plus on avait là, dit. Là il a mis le but pratiquement comme à la parade au deuxième poteau. Hein. Et on avait dit en plus en début de retransmission que Vemranges
était très bon dans les duels et notamment de la tête avec ses deux grands défenseurs centraux et notamment avec Tardivon et Berardi. Même si Berardi joue devant la défense aujourd'hui. Ah, elle est bonne celle-là. Oh, attention, allez. C'était une messe. Ah, ah, dommage. Peut-être un manque de fraîcheur du joueur le plus expérimenté de l'équipe de Vémerange et du joueur le plus expérimenté sur cette pelouse ce soir. Oh, c'est bien fait. Il a bien gardé ce ballon, Berardi. Allez, Gourier là. Hop, hop. Gourier, balle au pied. C'est votre chouchou, ça, Gabi. Et on va dégager, tant bien que mal, du côté de Lunéville. Attention, Pascal Legrand. La bonne tête du capitaine Tardivon. Et Kiefer, qui a redescendu d'un cran. Bon match de Kiefer. Hein. Et alors là, ça va d'un but à l'autre. Ouais, mais Lunéville met quand même un peu plus que pied sur le ballon. Hein. Exactement, ils posent leur jeu, en tout voilà. cas, dans cette seconde période. Ce qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à Vémerange. Ouais, il va pas prendre le deuxième jaune. Ah non, attention, c'est Pellegrini, non. Il vient de rentrer. Ah, il a pris un jaune quand même, tout de même, pour le numéro 14, Pierre Pellegrini. Un match qui sera déroulé en tout cas. Très bien arbitré, dans un excellent état d'esprit. Dans un excellent état d'esprit, c'est ce que j'allais vous dire. Très bien arbitré, facilement arbitrable. Oh, attention avec ce ballon qui va filer, peut-être une frappe à venir. Oh, ça a été bien contré par la défense de Vémerange. Le ballon dans les airs, la remise de la tête. Ça, c'était de la part de Legrand, il me semble. Oui, Legrand qui avait essayé de remiser. Attention, il y a peut-être un coup à jouer à nouveau. À droite, à droite, bon. Il l'a vu avec Mourier. Oh, il est tout seul, attention. Non, bien par jeu. Et la frappe, oui. L'égalisation. L'égalisation à 5 minutes de la fin pour Vémerange. Un match complètement fou, je vous le disais. Un match complètement fou. Et alors là, c'est l'effusion. L'effusion complète dans le stade Saint-Symphorien. Et alors, qui a marqué? Qui a marqué, mon cher? Mon cher Gabi, on va essayer de voir ça. Oh, il y a des larmes. Il y a des larmes. C'est pour... Marez. Ouais, tout à fait, Marez. Sur un service de Gourier. Oh, c'était superbement bien joué. Et là encore, il avait créé le décalage. Marez. Et le voilà. Le buteur. L'égalisation de Benjamin Marez. Bah, finalement, on voit un super match. Hein. Eh bien, écoutez. Riche en rebondissements. 6 buts. Que demande le peuple? 6 buts. Que demandez-vous de plus, si ce n'est peut-être une séance de tir au but à 12 tireurs, je ne sais pas. Vous serez le 12e, Gabi, peut-être. Et tout est à refaire, à nouveau. On est à la 42e pile. À 3 minutes de la fin dans le temps réglementaire. On peut dire quand même que Lunéville n'a pas trop bien géré ces 5 dernières minutes. Et Goncalves qui est redescendu d'un cran. Parce qu'ils se sont retrouvés, Vémerange s'est retrouvé en surnombre. C'est quand même pas tout à fait normal. Eh bien écoutez, pour la fête au chat noir, ça attendra pour le moment. La coupe n'est pas encore dans le nouveau stade de Lunéville. Et il y a un joueur de Lunéville justement qui est à terre. Non, il ne faut pas huer. Il se tient le bout du pied. C'est le capitaine. Il a des crampes. C'est André, le capitaine. Le libéro, on demande l'intervention des soigneurs. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé ensemble, Gabi, c'est l'importance de la formation régionale. J'ai appelé hier Eric Braun pour préparer un petit peu ce match. Je pense qu'on a dû en parler pendant 30 minutes. Lui qui me disait, je suis un petit peu nostalgique des ambiances de derby. Nancy-Metz, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il disait malheureusement maintenant les joueurs viennent un petit peu de partout dans ces grands clubs professionnels de Lorraine. Est-ce que vous partagez ce sentiment aujourd'hui? C'est vrai. Une perte de valeur un petit peu. C'est enfin, vrai, les derbys n'ont plus la même saveur d'antan. Le FCMS recrutait des Lorrains, recrutait des Luxembourgeois, les Nancéens recrutaient des Vosgiens, recrutaient la région nancéenne, Vendeuve, Neuve-Maison. Et puis maintenant, les joueurs viennent de tout horizon. Hein, cette année, dans l'équipe qui a failli sauver l'AS Nancy, il y avait quand même
peu de gens issus de Lorraine. Hein. Eric Braun avait une belle phrase. Il disait « La formation, c'est inculquer des valeurs, c'est donner de la saveur au football. » C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et on peut également en parler hein, du côté de Vémange. On l'a dit, plus de 50% des joueurs présents sur cette pelouse ce soir du côté des Verts sont passés par les U11, sont passés par les U13. Et Christophe Granvaux qui me disait « C'est important de conserver nos jeunes. Le football permet de ne pas faire de conneries en dehors. Pour les clubs comme nous, c'est vital et on ne peut pas s'offrir des joueurs. Ce sont nos joueurs et ils représentent nos valeurs et notre ville. » Et on est en tout cas très content et très heureux de les mettre en lumière ce soir. Sauf qu'il y a Dugrillon qui est rentré dans la surface de Vémerange. Fatigué Dugrillon, il a beaucoup couru, beaucoup donné. Comme d'habitude, Hugo Dugrillon, le casse-tête de Vémerange depuis le début de cette partie. Excellent joueur, excellent électron libre. En demi-finale, c'était pareil. Il avait multiplié les courses au départ et à l'arrivée de l'action, bien sûr. Et 3 minutes de temps additionnel minimum. Ça veut dire qu'on pourra peut-être un petit peu déborder. Attention le contre. Et Kiefer pour le mener. Oh, il y a un coup à jouer. Oh, oh Kiefer, il est passé. Il y a un 3 contre 3. Kiefer. Oh, il a peut-être refait. Il n'y a pas hors-jeu. Si, 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 si. Il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Le but qui est refusé. Parce que le ballon a été donné par l'Univillois. Ah. Écoutez, on ne va pas contredire monsieur Sammartino, on ne va pas contredire monsieur Mataoui. L'arbitre a toujours raison. Exactement. C'est la première règle du football. Et alors là, dans la tribune de Vémerange, je peux vous dire, on frôle. Ouais, Granvaux, il a besoin d'être calmé là. Ouais. Ouais, qui est rappelé à l'ordre, Christophe Granvaux, le coach de Vémerange, rappelé à l'ordre par le délégué. Pense à tes élèves lundi matin. Ah, lundi matin, il va se faire chambrer, Christophe Granvaux. Peut-être pas. Mais c'est la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Le ballon est toujours dans les pieds des Verts. Et on dirait que Lunéville n'y est plus. Sauf qu'ils vont récupérer un bon coup franc. Ah, c'est sûr que la dynamique est repassée dans le camp des Verts. Hein. Dans cette chaude ambiance. Il reste 2 minutes. Bon, je voulais vous chambrer un peu, Gabi. Hein. Vous avez perdu les deux derbies cette année. Contre Vémange, quand même. Bon, on en a gagné un qui n'a rien valu. Voilà. Problème administratif, vous avez été obligé de le rejouer et vous avez perdu 3-0. Voilà. Le 3 février. Exactement. Il n'y avait rien à dire. Ah, la belle intervention. Au cœur. Et Kiefer qui est partout. Kiefer qui est partout. Ah oui, il fait un sacré match. Ça, hein. Oh, la fin de match. Elle est pour lui. Et le coup franc à venir pour Vémerange. Les Vémerangeois. Ces joueurs en vert. Le ballon qui est filmé loin devant. Attention, attention. Pour Lunéville, oui, 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 il y a une faute. Il y a une faute, ici, si, si. Pied haut, pied haut. Jeu dangereux de la part de Gourier. Bon, Renaud Gourier, on va le voir du côté de Thionville la saison prochaine ou pas? Non, non, non. Oh, ça, j'ai vu que vous aviez un petit coup de cœur pour ce joueur. Non, mais c'est un gars qu'on a connu dans nos équipes de jeunes à Thionville. Bon, il y a eu un moment où il a senti qu'on lui faisait peut-être pas assez confiance. Il est parti à Ayange. D'Ayange, il est parti à Vémerange. Et puis bon, là, je vous ai dit que quand il rentrerait, il pouvait faire quelque chose. Oula. Attention, attention à cette action. Et j'ai une autre statistique qui va être intéressante, Gabi. Lunéville, dans le dernier quart d'heure, c'est là où il marque le plus de buts, généralement 7 depuis le début de la saison. Et c'est là où ils en encaissent le plus, 9. Alors attention. Mais c'est eux qui ont le ballon, pour le moment, avec Chotin. Chotin qui aura beaucoup couru lui aussi, beaucoup donné. Dugrillon qui va se retrouver face à Peverini. Bon geste défensif qui va offrir une touche à Lunéville. Bon là on est dans les arrêts de jeu, voilà. Voilà, et c'est fini, enfin, pas encore. Puisqu'on va avoir le droit à du rab, comme on dit à la cantine. 30 minutes de prolongation. Quand c'est bon, on en redemande. Voilà, exactement. Moi, ça pouvait encore durer 2 heures. Malheureusement, les joueurs seront un peu fatigués. Eh bien, écoutez, on va garder l'antenne. Je vous propose qu'on garde l'antenne. On ne fait pas de folie. On garde l'antenne. Et mon cher Gabi, on va se positionner vers notre petite caméra. On va aller du côté des supporters. Ça va être très intéressant. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer. On garde, bien sûr, l'antenne. Excusez-moi messieurs, on va vous déranger. Il faut juste qu'on reprenne nos petites places si ça vous dérange pas. Voilà. Mais restez à côté de nous.
Voilà, merci beaucoup. Voilà, vous avez toutes les réactions en direct. Hein. On est en direct. Parce c'est pas la caméra. C'est pas des bêtises. Je vais permettre à Gabi de venir. On en a combien ? Deux, trois. Hein, avec nous. Voilà. Alors là, Gabi, comment ça va se passer ? Attends, je mets le fil au-dessus. Oui, bien sûr. Pardon. C'est vraiment, attends, c'est du vrai direct. François, hein. Voilà. Voilà. Merci à tous de nous avoir laissé, bien sûr, un petit peu de place dans ce stade. Alors là, Gabi, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il faut dire aux joueurs ? On a joué 90 minutes, un match complètement fou. Lunéville est revenu. Lunéville a été rattrapé. Qu'est-ce que vous auriez dit à vos joueurs là dans ce genre de cas ? Bah écoutez, si je suis du côté de Vendrange, les gars, on a égalisé à 3 minutes de la fin, c'est un signe, il faut y croire. Ne prenez pas de risques fous. Tous les coups, les coups offensifs, vous les jouez à fond. Vous quand même vous assurez une certaine sécurité pour éviter de se faire contrer. Bon, quant à Lunéville, là, il faut reconstruire un moral. Et dire, bon les gars, on a fait les cons, on n'a pas su préserver ce 3-2 alors qu'il restait 6 minutes à jouer. Il faut repartir comme on l'a fait au début de deuxième mi-temps où on était mené 2-1 et on a réussi à leur mettre 2 buts. Donc l'entraîneur, il faut qu'il trouve du positif. Hein, il ne faut pas qu'il commence à analyser les bévues, les erreurs. Non, il faut qu'il trouve... Des forces, il faut qu'il joue sur les vertus de son équipe. Ce qu'il faut dire, Gabi, c'est que si on pouvait faire le point déjà sur les changements, Vemrange a utilisé tous ces changements, il me semble. Il doit en rester un, il me semble, du côté de Lunéville. On va essayer d'aller un petit peu à la pêche aux informations. En tout cas, on est très bien, nous, dans cette tribune, vous voyez, avec plein de supporters de Vemrange. Hein. C'est le côté Vemrange, hein, de ce côté-là de la tribune. J'ai l'impression que... Enfin, le côté de Lunéville, il est quand même moins grand. Il est tout aussi grand, mais c'est vrai que ça chante un petit peu moins. Voilà, c'est ce qu'il faudrait dire. J'ai l'impression qu'il y a quelques joueurs qu'on écran. Par contre, du côté de Lunéville, c'est ce qu'on voit pour le moment, écoutez, face à nous. Là, ça va être un moment très, très, très important. Il ne faudra pas craquer. Est-ce que la solution pour Vemanche, c'est d'aller chercher cette séance de tir au but, Gabi ? On sait qu'il y a un bon gardien qui a fait la différence sur les tirs au but. À non, mon avis, pas tout de suite. Ça ne les dérangerait pas trop quand même. Hein. Bon. Enfin, de toute façon, faites un peu ce que vous pouvez faire. Oui, surtout. C'est surtout ça, la solution. Bon, alors... Moi, j'en suis toujours à l'élément clé de Lunéville. Est-ce que c'est lui qui va faire basculer le match ? Moi, je parle toujours de Goncalves. Bien sûr. Et il est capable, sur une étincelle, de... C'est le blanc numéro 8. Tout à fait. Voilà. Parce que notre réalisateur, Julien Nové, demandait le numéro de Goncalves. Peut-être qu'il veut récupérer le maillot à la fin du match. Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. On le reconnaît, c'est un tout petit. Voilà, et il est très fort. Mais voilà. Bon, il faut faire gaffe, ils sont deux frères. Mon cher Gabi, si vous avez parlé de Goncalves du côté de Lunéville, du côté des Verts, s'il y avait un joueur là qui vous a marqué un petit peu dans ce match. Ah, c'est Kiffer. C'est Kiffer. Franchement, là, la deuxième mi-temps était époustouflante. Hein. Très d'ailleurs, important. Hein. Il semble que le troisième but, il vient d'un ballon récupéré à 30 mètres des buts Vemrangeois. Ils sont forts jusqu'à la ligne médiane. Il sert bien Gourier. Et Gourier arrive à servir Mahrez. Ça a été c'est ce qui est un peu pénible pour Lunéville. Il mène 3-2 à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Ils se font contrer et un contre de 80 mètres. Là, ça manque quand même de maturité. Hein. Mais vous l'avez dit, ça leur pendait au nez quelque part parce qu'ils n'ont pas bien géré cette fin de match. Pas très bien géré. Ils auraient sans doute dû. Enfin, c'est toujours plus facile quand on est commentateur. Mais... Ça se cimente du côté de Vemran. Tout à fait. Alors que là, c'est... Mais bon, ça ne veut rien dire. Hein, ça ne veut rien dire. Hein. Mais c'est ce supplément d'âme en tout cas qui peut faire aussi la différence, Gabi. Non, mais ça, sur ce genre de match. À ce niveau-là, Vemrange est supérieur. Hein. Au niveau du moral, au niveau de l'esprit d'équipe, je pense que Vemrange est supérieur. Au niveau technique, au niveau potentiel, je pense qu'il y aurait un peu plus de facilité du côté de Lunéville. Et ça fera peut-être la différence. Qu'est-ce qui va faire la différence ? On va voir. Ça va être tout de suite, bien sûr, en intégralité. En direct, gratuitement, chez vous ou dans le stade. Je ne sais pas où vous êtes. Certains étaient à Tokyo tout à l'heure. D'autres, je ne sais pas où. Vous nous regardez depuis le monde entier. On est très, très contents, en tout cas, de vous avoir avec nous. On est très fiers, en tout cas, de vous faire vivre ce match. Et on remercie encore une fois la Ligue Lorraine de football, eh bien, de vous proposer ce spectacle. Et on espère, bien sûr, que vous restez avec nous parce que là, c'est le dernier match de la saison. Il n'y a plus de foot, hein. Sur les chaînes concurrentes, il n'y a plus de foot. Ne cherchez plus. C'est ici que ça se passe, au Stade Saint-Symphorien. Où on va vivre, eh bien écoutez, 30 minutes
de pur bonheur. Les deux capitaines qui se positionnent, on va avoir le droit à un nouveau toss, hein, Gabi Djou. Oui, oui, parce que là, ils vont choisir quand même la moitié de terrain qu'ils vont occuper. Sachant que, alors, parce qu'il y avait toujours un petit tirage au sort, c'est Vemrange qui a récupéré le vestiaire du FC Metz. Alors, je ne sais pas si ça peut jouer aussi également. Vemrange qui était donc dans le vestiaire du FC Metz. Alors qu'on va avoir un petit changement du côté de Lunéville. Malheureusement, je suis parti sur ma feuille de match. C'est une catastrophe tout ça. On va vous en parler. On va remonter là-haut avec mon cher Gabi. On va remonter là-haut et commenter bien sûr en intégralité cette prolongation de la finale de Coupe de Lorraine avec, je vous le disais, l'entrée de tout simplement, eh bien c'est Geoffrey Collin qui est rentré du côté de Lunéville, du sang frais, du sang neuf pour le dernier changement, je vous le rappelle, de cette partie. Eh bien écoutez, il y a plus dur que de finir la saison sur ce match, hein, je vous le dis Gabi. Ah là, ça a été un super spectacle. C'est vraiment magnifique. Et je pense qu'on pourra avoir peut-être un peu mieux encore. L'espèce de d'Allemagne-Italie, vous rappelez? Ouais. Ça serait en tout cas magnifique. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Et on a sorti les cornes, hein, du côté de Vemrange. Et c'est parti pour cette première prolongation. Première mi-temps de la prolongation. Attention, avec cette bonne intervention du côté de Lunéville de Beson. Kiffer à nouveau la retombée de ce ballon. Oh, c'est bien fait ça. On retrouve Kiffer également qui va s'appuyer tout de suite en première. Attention, c'était vers Marez. Oh, le centre arrière qui va être contré. Très bon ballon à nouveau de Sébastien Porzi. Très vif, Sébastien Porzi. Et le corner à suivre. Eh, finalement, Chalmès va jouer 2 heures. Hein. À 34 ans. Écoutez, on comprend en tout cas qu'il profite de ces moments-là. Oh, le corner qui a peut-être pas été assez élevé, mais on va avoir une deuxième chance. Justement, du côté de Marc Steinmetz. Il a tenté la frappe puissante, tendue au premier poteau. C'est là qu'il faut à peine la toucher pour qu'elle rentre. Hein. Celle-ci, elle est plus relevée. Oh là là, ça a filé dans la surface de réparation. Ah, les gardiens sur les coups de pied arrêtés aujourd'hui. ils sont pas vernis. Hein. Ils ont vécu un enfer. Hein. Et à voir le premier corner de Steinmetz tout à l'heure, là, j'avais l'impression qu'il était un petit peu fatigué. On dit souvent que la trajectoire de balle reflète l'état physique, la condition d'un joueur, mais il nous a rassuré sur le deuxième. Hein. Il y a encore du peps. Et là, je peux vous dire que le match est sous tension. Le silence a désormais pris en otage le Stade Saint-Symphorien. Il y a un petit changement tactique du côté de Lunéville parce que Dugrillon joue carrément au milieu de terrain. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on est passé, on était dans une situation. C'est Ben qui est rentré à gauche. Hein. Tout à fait, on était sur un 4-3-2-1, et il me semble que désormais, on est sur un 4-2-3-1. Oui, à vérifier. Enfin, quoique Bell joue quand même très très offensif à côté de Legrand. Et Berzwiller qui joue en équipe de Lorraine, hein, Gabi, je ne sais pas si on l'a signalé pendant cette retransmission. Le gardien, il le méritait largement. Rec pour ses 10 années de fidélité au club. Le peu de buts qu'il a pris pendant toutes ces saisons. Oh, attention avec ce ballon qui va revenir. Ouh, juste au-dessus de Gourier qui avait laissé passer cette balle. Le centre à venir. Oh, il m'a fait peur. Meilleur, Jimmy Meilleur sur cette action. Mais il a pu s'emparer de cette balle. Et il va pouvoir relancer. Et alors là, les supporters de Vemrange qui en mettent une couche. Du côté de Lunéville, on est bien sage sur sa chaise et on suit le match avec beaucoup d'intérêt. Et on commence à fatiguer également hein, dans les tribunes, même s'il y a du cœur, on y met du cœur depuis le début. Ça peut durer toute la nuit. Hein. Ah oui, là, il se garde pour tout à l'heure. Avec cette fête, on l'a dit, hein, du côté de Vemrange qui se ferait avec ce qu'appelle le président Berardi. Le football unifié, mélange de personnes souffrant d'un handicap et de joueurs ne souffrant pas de handicap. C'est aussi ça les valeurs du football.
et on reconnaît encore une fois la culture du football lorrain. Une région qui va voir eh bien, le FC Metz remonter en Ligue 2 cette saison. Ça c'est quand même une bonne chose. Je dirais qu'à la limite, on ne voudrait plus jamais connaître ce qu'on a connu cette année. Bah, écoutez, moi en tant que commentateur du National, j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à commenter cette équipe de Metz. Mais bon, quand vous restez une année en National, ça va. Non mais ça va. Par contre, commencer à y végéter, là ça devient grave. Hein. C'est comme la L2, hein. On devait remonter la première fois, on devait remonter la deuxième fois, puis après vous commencez à jouer le maintien, puis après vous vous retrouvez en National. Hein. Bien sûr, la spirale infernale. Et c'est vrai que d'un autre côté, l'AS Nancy-Lorraine, par contre, qui eh bien, descend en Ligue 2 la saison prochaine. Un coup de chapeau quand même au parcours qu'a fait Patrick Gabriel durant cette deuxième partie de championnat. Attention, je t'ai Metz, ça a été bien contré, mais ça va revenir dans les pieds des Verts. Le bon centre de Porzi, il n'y a personne sauf un blanc à la retombée. Et je voulais vraiment féliciter cette génération Grenat et le travail de monsieur Albert Cartier, qui a réussi à s'en sortir dans un championnat, ma foi, très compliqué, très difficile, on l'a vu. Très piégeux, avec une génération de joueurs issus de la victoire en Gambardella du FC Metz en 2008. Et Albert Cartier, en tout cas, qui n'aura pas failli à sa mission. Et je peux vous dire qu'il y a du talent dans ce FC Metz. Alors là, les deux coachs, hein, Christophe Granvaux et Eric Braun sont debout. Christophe Granvaux, il va pas lui rester beaucoup d'ongles à la fin de cette partie. Et la faute, tiens, un bon coup franc pour Lunéville. Et pourquoi pas l'occasion. Tout va être important. Hein. Ah oui, là. C'est le détail qui peut tout changer. Et Goncalves, tiens. Goncalves pour le tirer, ce coup franc. C'est bien parti dans la surface, sur la bonne tête. Oh, il a pris un coup. Il a mal pris, au passage, hein. Ouais. Elle était forte et bien tendue, cette balle de Goncalves. Et le joueur de Lunéville qui est resté au sol, qui se plaint du visage. En l'occurrence, il s'agit de Chautin. Chautin, il aura donné son corps à la science, hein. Excusez-moi l'expression, mais il se donne. Il doit avoir trois poumons ou deux cœurs, ce garçon. T'es monté sur le coup franc. Et il est parti se repositionner. Tout va bien pour lui. Le ballon qui revient dans les pieds des Verts. Avec ce bon appel de Marez. Oh, est-ce qu'il va récupérer le corner? Ouais. Et un nouveau corner pour Vémange. L'équipe de DHR, promue en DH la saison prochaine, qui retrouvera bien sûr Lunéville. Équipe de CFA2 rétrogradée en DH. Le corner qui va bien partir. Stenmes, ah, qui a du mal encore à lever son ballon. Ouais, passe plus le premier poteau là maintenant. Ouais. Sans doute un peu de fatigue de son côté. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même trois clubs de football dans une ville comme Lunéville qui compte à peu près 20 000 habitants. On a donc le FC Lunéville, ça c'est l'équipe que l'on suit ce soir. Il y a les municipaux de Lunéville qui jouent en championnat national des entreprises 2. Et également l'ES Lunéville qui joue en district. Vous savez que j'ai joué, lorsque j'étais joueur, contre l'AS Trélor. C'était le club de Lunéville qui jouait sur le vélodrome. Et ben voilà. Et c'est devenu le club phare. Deux clubs à la faveur d'une fusion. Deux clubs professionnels dans cette Ligue de Lorraine. Et pourtant, quelle passion il y a pour le ballon ici. On sent, ça se sent tout de suite dès qu'on pénètre sur ces stades. Marcel Picot. Et puis bien sûr, Saint-Symphorien où nous sommes ce soir. Le ballon qui va filer côté gauche. Le joueur de Lunéville bien regroupé dans la moitié de terrain. Steinmetz qui récupère le ballon. Là. Ah là, c'est au mental. Hein. C'est au mental. Et une nouvelle bonne récupération de Marez. Très intéressant son entrée à Marez, lui qui a égalisé
à 5 minutes de la fin, mais là malheureusement il sera un petit peu court sur ce ballon. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'équipe qui l'emportera, elle ne l'aura pas volé. Oui, ça non, ça, mais quelle que soit l'équipe, hein, on ne peut pas dire qu'une équipe ait vraiment pris le dessus sur l'autre. Ça me semble même équitable qu'il y ait pour l'instant un nul. Mais bon, c'est sûr que les circonstances, le Vemranche qui mène deux fois au score, qui se fait remonter, même dépasser, et Lunéville qui mène au score à 3 minutes de la fin et qui se fait rejoindre. Bon, tout ça, il y a des regrets à avoir, mais des regrets à avoir dans les deux camps. Hein. Ah, donc, ça, on risque de voir de belles images quand on est journaliste. Équipe, mais il y aura une équipe qui aura le droit d'être déçue, c'est celle qui ne gagnera pas. Il risque d'y avoir de l'émotion. Vous faites bien de le dire, Gabi, dans cette fin de match. Et justement, vous qui êtes plein d'émotions derrière votre écran, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Coupe Lorraine. C'est pour venir discuter avec Gabi et moi-même. Et d'ailleurs, j'ai l'information que vous vouliez, hein, Yutchenkov qui me dit le nouveau stade est sur le Vélodrome. Il ne pouvait pas détruire le Vélodrome qui est classé monument historique. Ah, voilà. Donc, on va lui demander quand même par la même occasion s'il peut nous renvoyer un petit mail. Est-ce que les vestiaires ont été refaits, déclarés monument historique? Vaudrait mieux pas, d'après ce que vous m'avez dit. Vous connaissez un certain Samir Belanda, mon cher Gabi? Ça vous dit quelque chose? Oui. Il oui. vous envoie ses amitiés. Il joue en poussin sous vos ordres, apparemment, à Thionville. Ah, d'accord. Ouais. Ben, je lui rends ce petit bonjour. Loïc Parichello, rien à voir avec le fameux pilote de Formule 1. Très beau match, en espérant les prolongations pour un peu plus de suspense. Et oui, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Vous savez que sur un grand terrain comme ça, il y a de la fatigue. Hein. Ah oui. Là, ils vont bien dormir ce soir. Même émotionnellement. Bon, même si le gagnant ne dormira pas beaucoup. Bon, je pense que des deux côtés, ça se finira tard dans la nuit, quoi qu'il arrive. Ah, mais quand vous la perdez, hein, ça n'a pas la même saveur. Hein. En tout cas, les deux n'auront pas démérité. Exactement, ça là-dessus, chapeau. On a vu vraiment un super spectacle. J'ai Moissy, Fomas qui me dit aussi également pop, Vem. Allez les gars, qui a dit 3-3? C'est moi. Voilà. Rendons à César ce qui va à César. Voilà. J'ai complètement écorché l'expression, mais ce n'est pas grave. On arrive tout doucement à la première partie. Hein. Il reste 3 minutes 30. Écoutez. Bon, c'est vrai que le rythme a baissé, mais bon, c'est compréhensible. Hein. Grand terrain, rythme effréné pendant toute la partie. Lunéville a dû mettre les bouchées doubles pour revenir au score. Vemranche a dû mettre les bouchées doubles pour égaliser. Ce qui fait que... Ah, et Kiefer est au sol. Alors, a-t-il pris un coup? Je ne crois pas. Mais c'est musculaire, hein, si je ne me trompe pas. Il n'y a plus de changement. Hein. Ah oui, là par contre tous les changements ont été utilisés de chaque côté. Donc, quoi qu'il arrive, une Beckenbauer. Voilà ce qu'on attend de Kiefer. Jouer blessé, si c'est le cas. Oula, non, on dit on change. On dit on change. Ouais. On dit on change du côté du capitaine. Dommage, hein, parce que en plus, ça a été l'élément pour moi le. Ah, déterminant. Je vous l'avais dit en début de match. Ouais. Vous m'aviez répondu dans silence, hein, mon cher Gabi, à ce moment-là. Je sais que c'est pas votre chouchou, mais. En tout cas, Kiefer, il est au sol, en espérant que ce ne soit pas grave déjà. Je connais bien son père d'ailleurs. Pour l'intégrité physique du joueur. On salue d'ailleurs le papa qui sans doute nous regarde. Qui est dirigeant Vemrangeois. Et ben voilà. Qui était dirigeant de Chauvillois. C'est l'occasion de lui faire un bon coucou. 17 éducateurs au total dans ce club de Vemrange. Un grand hommage à Marc Berardi et à Sébastien Schiltz, les présidents et vice-présidents de cette équipe. Il va peut-être terminer en pointe. Et savez-vous pourquoi on parle de cercle sportif Vemrangeois? Non. Parce qu'en fait, à la base, à la création du club, le 12 décembre 1965, il n'y avait pas de terrain de football. Et donc, seul le terrain de handball était à disposition des sportifs. Et donc, du coup, au lieu de parler de football club, on a parlé de cercle sportif. D'accord. Monsieur Gasparina, c'est lui qui fut le premier président de l'histoire du club. Regardez Kiefer qui va sortir. Oh là 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 là. Alors ça veut dire quoi? Est-ce que Vemrange va finir sur une jambe?
va peut-être finir à 10, oui. Eh oui, c'est ce... ah oui, je crois qu'il peut plus du tout marcher. Gauche, hein. Il peut plus du tout marcher, Kiefer. Il va d'abord se faire soigner, un petit coup de bombe. Ah oui, non, il a l'air de souffrir, le garçon. Oh là 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 là. Là, il faut un petit massage miracle. Et Vémrange qui est à 10 dans cette fin de match. Allez, c'est le moment pour les supporters verts d'encourager leur équipe. Et on imagine la déception et la détresse de ce garçon qui a beaucoup donné dans ce match. Qui a été pour moi un exemple en tout cas. L'élément prédominant. Hein. Ce très jeune joueur, Kiefer, et attention parce que là, Lunéville, ça ne donnera rien. Ce centre qui va directement mourir là, c'est du en 6 mètres. Hein. Ah non, il y a encore un changement. Alors écoutez, je ne sais pas là. Alors il y a Péverini qui est rentré, il y a Marès qui est rentré, et il y a Gourier. Oui, et Gourier, voilà, les trois ont été faits. Hein. Voilà. Les trois ont été faits. Voilà. Donc là on est sûr, il n'y aura plus de changement. Très logiquement. Et Dylan me reprend. Bien sûr qu'ils n'ont pas pris la coupe Gambardella Metz en 2010, mais 2008. J'ai dit 2010, il me semble que j'avais dit 2008, je ne sais pas. On n'est plus à deux années près. Ouf, ça passe tellement vite. Sur 100 ans de Gambardella. Et voilà, la fin de la première mi-temps. Il n'a pas fait traîner les choses. Ouais, oui, 15 minutes tout rond, tout pile. Fin de première mi-temps de cette prolongation. Oh, petite séance tableau noir, là, je vois Granvaux qui rentre sur le terrain avec son feutre et sa petite ardoise. Alors là, tactiquement, ça va parler, ça va parler. Normalement, on change de côté. Hein. Seulement, il n'y a pas de pause, hein, il me semble. Oui, l'entraîneur, normalement, n'aurait même pas le droit de rentrer sur la pelouse. Mais également, je vois que du côté de Lunéville, Eric Braun. Oui, alors donc, sur égalité dans l'illégalité. Bon, on s'en arrête là. C'est fini. Bien sûr que non, ce n'est pas fini. Les dernières consignes, bien sûr, des deux coachs. Alors attendez, là, je suis un peu dans le flou, je vous avouerai. Je ne comprends pas bien. Apparemment, il rentre toujours pas quand même, hein, Kiefer. Non, Kiefer ne va pas rentrer. Ça sera fini pour Kiefer. Eh bien, écoutez, on va finir à 10 du côté de Vémrange. Là, je pense que Vémrange prendra quand même encore un peu moins de risques. Ah oui, là, on risque de voir le bloc défensif en pleine action, là. Faut pas trop reculer non plus. Je les ai vus jouer souvent cette saison. Quand même un des matchs les plus offensifs qu'ils aient fait, ils ont été récompensés, ils ont mis 3 buts. Hein. Mais c'est très simple. Ils ont pris des buts que pour lesquels je n'étais pas habitué à les voir concéder. Hein. C'est très simple. Vémrange qui a fini premier, hein, je vous le rappelle, de sa poule DDHR, tout à fait, avait marqué 35 buts. Pour vous dire, le deuxième, à Gondange, 53 buts marqués. Oui. Et Fares Beersviller, excusez-moi. Je pense qu'ils ont mis plus de buts. 55 et Thionville, je vais vous le dire tout de suite, vous étiez à 42 buts inscrits, donc c'est-à-dire tout simplement 7 buts de plus, alors que Thionville a fini 10e et premier non relégable. Par contre, c'est derrière vraiment, que ça joue. Vraiment, on a pris très peu. Et là ce soir, ils en ont pris quelques-uns. Je ne sais pas si c'est encore la meilleure défense de Lorraine. C'est ce qui m'a étonné. Ça a été un match finalement riche en surprises. Et en tout cas, ma statistique que je vous donnais en début de match, mon cher Gabi, lorsque Lunéville, encaisse le premier but, ça finit 10 fois en défaite, 2 fois en nul, la statistique vaut toujours et vaudra pour cette saison 2012-2013, puisqu'officiellement, pour le moment, nous sommes sur un match nul au bout du temps des 90 minutes. Et ouais, puis jeu dangereux de la part de Stenmes. Et, non, excusez-moi, de la part d'un joueur de Lunéville, nous aussi on est fatigués. Dans ce match, on a beaucoup donné. C'était le capitaine. Tout à fait. Manquez un peu d'entraînement, André, là, Manu. Voilà. Il faudra que vous passiez à 3 séances dans la semaine. Et le ballon qui va sortir en corner. Il va être important ce corner pour Vémrange. Et là, il va y avoir une chaude ambiance parce que c'est du côté des supporters des Verts. Le voilà, allez, le joueur le plus expérimenté, Stenmes. Les coups de pied arrêtés peuvent être déterminants. Hein. C'est bien parti et dégagé par la défense de Lunéville. Gros duel. Oui. Devant la surface, attention, la frappe à venir. Ouh. Bien capté par Jimmy Meyer. C'était une frappe de Gourier. De Gourier à nouveau.
Je vous le laisse le citer, Gabi, parce que je sais que vous l'aimez bien. Et là, par contre, on a un autre joueur, malheureusement, de Vémorange, qui est resté au sol. Tardivon, le capitaine. Là, c'est précieux. Hein. Il faut vite qu'il reprenne sa place. Hein. Alors, il s'est relevé. Vémorange ne supporterait pas quand même. Ah, il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue. Et Jojo qui nous dit super match, mais n'oublions pas la super prestation des arbitres emmenée par Monsieur Sammartino. Exactement. C'est vrai. C'est ce qu'on a dit. Rien à redire au niveau de l'arbitrage. Quand il n'y a rien à redire, c'est qu'il a été très bon. Et on me demande si Michel Keff est sur le banc, mais malheureusement non. Non, je ne le vois pas là. Hein. Je vois le président du district Mosellan Sud, c'est-à-dire la patrie de le district de Lunéville. Peut-être qu'il est bien Jean-Marie, caché. Jean-Marie Thirier. Avec ce bon ballon récupéré par Torzi. Mais les joueurs de Lunéville qui vont pouvoir mettre le pied dessus avec Goncalves côté gauche. Oh le beau tac, c'était bien fait ça. Goncalves deuxième chance. On va centrer, mais il n'y aura personne dans la surface. Ouais. I touch Kellyanne qui me dit ici en Lorraine la passion du foot. Rien à voir avec les autres régions. Borzi qui va. Borzi dormira bien ce soir. Ouais. Hein. Il a joué devant, mais qu'est-ce qu'il a défendu. De toute façon, avec Granvaux, un attaquant qui ne défend pas, il a beau accumuler les buts. Il jouera pas. Il jouera peu. Ou peu, tout à fait. Et tiens, une petite pensée quand même à Eddy Legrand. Hein. C'est une pensée de Charbon Nounou, ce qui nous dit qu'Eddy Legrand vient d'être papa il y a quelques semaines. Ah. Alors s'il pouvait rajouter cette Coupe de Lorraine dans ses bagages. En tout cas, c'est un bon match quand même, Eddy Legrand, là, aujourd'hui. C'est vrai que. C'est bien qu'il soit revenu à. Parce que. Pour moi, il est revenu quand même à bon niveau. Hein. Allez, là, il y a encore un coup à jouer pour les Verts. Il est passé, c'est bien fait. C'était Marez une nouvelle fois. Intenable, Marez, depuis son entrée en jeu en seconde période. Du grillon, balle au pied. Ah non, c'était pas là. C'est mal compris avec Bell. Oula, tirage de maillot. Monsieur Sammartino qui laisse jouer Gourier. L'avantage. Gourier, oh, Porzi, l'enjeu, Porzi. Et excellente sortie au passage de Meilleur. Et c'est vrai qu'on parlait d'Eddy Legrand tout à l'heure, mais c'est vrai que Goncalves a moins pesé en tout cas sur la défense. Alors peut-être aussi le gabarit joue, hein, ça c'est sûr. Face à ces grands gaillards en défense centrale. Quand on voit Tardivon ou Berardi par exemple. Et je vous rappelle un Vémange qui joue à 10 quand même. Oui. Là je crois qu'on ne reverra plus Kiefer. Hein. Non, ça c'est fini pour Kiefer. Kiefer. Le ballon. Oh là oui. Et Vémange qui a toujours le pied sur le ballon. On a l'impression que Kiefer est encore sur le ballon, sur la pelouse. Mais en tout cas, ça annonce un très bon niveau pour cette équipe de Vémorange en division d'honneur l'an prochain. Lunéville également, qui aura une carte à jouer, hein, qui fera partie des gros de cette saison 2013-2014. Avant ça, bien sûr, il y aura les vacances hein, pour tout le monde. Mais du grillon, lui, il n'est pas en vacances. Oula, attention là. Et là, il y a peut-être un bon coup à jouer. Oh, pop, 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 ça a été retiré là de la tête. Parce que derrière, je peux vous dire, oh, c'est pas fini, le retourné du grillon, ouh, sorti. Coup franc contre du grillon. Oh là là là, alors là, ils se sont tous sacrifiés, cette défense de Vémorange, en tout cas, qui a été à l'honneur tout au long de cette soirée. Et le soleil qui se couche. Sur le stade Saint-Symphorien, c'est le début de coucher de soleil, ce qui nous donne une magnifique lumière dans ce magnifique stade qu'on espère revoir en Ligue 1 très bientôt. Et pourquoi pas, pas la saison prochaine bien sûr, mais pourquoi pas la suivante. Il y a un coup à jouer. On se le souhaite. Et on vous le souhaite. Le dégagement à venir pour Jimmy Meyer. Porzi à la retombée. Porzi à nouveau. Du grillon. Pour récupérer ce ballon. Oh, il s'est bien appuyé. C'est bien fait ça. Avec Caron. Goncalves, côté gauche. Goncalves. Il est rentré, Kiefer.
Il est rentré, Kiefer. Oui, tout à fait. Kiefer qui est rentré. Alors, quelle solution miracle a-t-il 3-11. 111, même range. Et le boîtier, hein, Kiefer encore. Là, c'est au courage. Hein. Il faut saluer le courage de ce garçon. Il ne pouvait plus marcher tout à l'heure. J'espère que sa chambre n'est pas au troisième étage. Ou alors avec ascenseur. Demandez au papa. Demandez au papa. Alors, le pire, c'est le lendemain matin. Ah oui, oui, voilà, c'est pas possible. Faudra lui amener l'assiette, là. Hein. Et cette magnifique ambiance. Si on pouvait voir ces ambiances-là sur tous les terrains, sur tous les matchs. Le coup franc à venir. Ouf. Ça avait rebondi, mais sans problème pour Jimmy Meyer. Et c'était pas Jimmy Meyer d'ailleurs, c'était Bert Wehler. Il y a un peu plus de cohérence dans le jeu, encore une fois, du côté de Lunéville. Même si on ne peut pas parler d'occasion franche. Hein. Bon, il trouve en appui Eddy Legrand. Mais bon, pour l'instant, il n'y a quand même pas trop de danger. Ah, puis les JC, dommage. Par contre, Vémanche, ça va être en contre. Et ils vont jouer leur va-tout. Et notamment avec cet homme que vous venez de voir, Benjamin Marez. Virevoltant, j'ai envie de vous dire. Lui qui a fait la différence à 5 minutes de la fin pour égaliser pour Vémanche. Vémanche qui a mené deux fois au score avant d'être revenu, on le rappelle. C'est Lunéville qui menait jusqu'à la sempiternelle 87e minute. Et ce but de Marez et la bonne récupération de balle. Ça, c'est très bien fait de la part de Peverini. Ça va revenir dans les pieds des joueurs de Lunéville. Dans le soleil. Et cette lumière et ce coucher de soleil dont je vous parlais tout à l'heure. Là. Oh, la belle occasion. À gauche, Porzi, il n'y a personne à gauche. Ça, c'est dommage. À droite, vers Marez. Marez, il a une solution, il va la trouver tout de suite en première intention avec Gentil. Mais Gentil, il a encore du coffre. Hein. Ah ouais. Il a fait le plein là. Mais qu'est-ce qu'ils mangent le matin ces garçons là? Ils ont un secret à Vémrange. Hein. Le ballon dans la surface. Oh, il était passé. Oh, il était passé, ça va donner un super coup franc. Et heureusement, c'est à l'extérieur des 16 mètres. C'était limite, c'était limite, Gabi, vous faites bien de le dire. Là, c'est à 20 cm. Ouh là là là, là, ça aurait été la punition. Sinon, pour Lunéville. Et si Dugourier tout craché, il est capable là. Sur un dribble. De Lunévillois, il les a évités. Mais alors, on ne peut plus facilement, ils ont été obligés de faire la faute. Double contact. Ça sortait bien, les Lunévillois. Dans le pif et dans le paf, dans le zig et dans le zag. Et il récupère le coup franc. Et l'ambiance qui monte d'un cran. Là, c'est les dernières cartouches. Le coup franc qui est bien parti. Au deuxième poteau, j'ai cru qu'il allait mettre direct. Steinmetz qui, en tout cas, nous a rassuré hein, sur sa frappe de balle. Lui aussi, il a encore un petit peu d'énergie. Ah, c'est bien, c'est que bon, lui, il n'a pas d'excédent de poids. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Bon, l'âge, quand vous ne prenez pas de poids. Finalement, c'est un détail, surtout quand ça n'arrête pas de jouer. Hein. Oh, attention à cette déviation. Le ballon qui va filer à droite. Le centre à venir. Oh, c'est dégagé tant bien que mal. Et Madrilène et High Touch Kellyanne qui, en tout cas, voulaient qu'on loue les qualités des gardiens dans cette prolongation. C'est vrai qu'il y a eu quelques fautes. Ouais, tout à fait. C'est Pileggi. Pileggi qui a les crampes. Il faut sortir ce ballon. Kiefer qui joue en défense centrale désormais. Bah écoutez, je pense que Pileggi il a gagné son. Mais là c'est un gars de. C'est un gars de Vémanche, hein. Oui tout à fait, qu'est-ce que je raconte? C'est Bombino, excusez-moi. C'est Bombino. C'est tellement le bazar sur cette table depuis qu'on est passé en prolongation. C'est de la folie. C'est le dernier match de cette saison 2012-2013. Il y a High Touch Kellyanne qui me dit rien de mieux qu'une victoire pour bien commencer les vacances. Ça n'a pas le gardien de Lunéville. Ouais, ça c'est une belle image, tout à fait. Vous faites bien de le dire, Gabi. Vous avez un ancien élève du collège de Fontenoy qui vous envoie un bonjour. Vous me manquez beaucoup, c'est de la part de Tanguy de Fontenoy. Voilà. Tanguy Muller. Vous êtes dénoncé, mon vieux. Bonjour, monsieur Tanguy Muller. 1360 personnes dans ce stade
sans s'enfant rien, tout à fait. Très très bien alors, une grosse réussite. Hein. C'est une belle réussite, tout à fait. Et on est très fiers de vous le faire partager en direct. Bombino qui ne va pas rentrer tout de suite sur le terrain. Alors là, on joue à 9,5 hein, parce qu'on peut pas dire que Kiefer il soit sur une jambe, il soit sur deux jambes, pardon. Qu'est-ce qu'il boite ? Et en plus Bombino, il est perclus de crampes, il est obligé de faire le tour du terrain pour rentrer sur ce sur la pelouse de Saint-Symphorien. Et là ils sont à 10. Et là ils sont à 10 avec ce dégagement, tant bien que mal, loin, haut dans les airs, le plus haut possible. Et voilà, Porzi qui va la sortir cette balle pour permettre à son coéquipier de rentrer. Moi j'ai 3 minutes au chrono. Hein. Oh, il est perclus de crampes Bombino. Attention, Goncalves. 3 minutes, Goncalves, oh, il a glissé. Bombino qui la remet tant bien que mal. Et attention à la frappe à venir. Oh là 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 là, c'était Chotin à nouveau. Il y a une bonne frappe, Chotin. Il y avait quand même un petit coup à jouer sur le côté droit là. Bon, il a tenté la frappe. Et Loïc Barrichello a envie d'aller aux toilettes, c'est ce qu'il me dit sur le Twitter. Il me dit, est-ce qu'on peut faire pause ? Non mon ami, faut se retenir, ça arrive qu'une fois dans l'année. Il n'y a pas de temps mort au foot. Ah non. Et si les joueurs devaient aller aux toilettes, comment ils feraient, voyons ? Oh, c'est pas vrai. Le coup franc pour Vémange. Et celui-là, il va être important. Il va être important et je peux vous dire que tous les joueurs de Lunéville sont revenus dans leur moitié de terrain. Stenmes à la baguette, du pied gauche, dans le paquet, dévié de la tête, prolongé, le plaisir. Et sans problème pour Jimmy Meyer. Goncalves, contrôle de l'épaule, mais il n'y avait pas main. C'est quand même limite. Hein. Ouais, mais les deux bras n'étaient pas décollés du sol, du corps. Oh, par contre, là, le tacle. Oh là là, oh là là. Oh là là, attention à ce que ça ne s'envenime pas. Ah, il ne faut pas discuter là, il faut se replier. Caron qui l'a joué vite. Ce coup franc. Chotin pour attention, le centre. Oh, attention, le grand. Eh oui, il n'a pas pu ajuster cette tête. Pouf, quel match. Quel match. Je pense qu'on ira au tir au but. Ouais, on va aller au tir au but, c'est ce que je pensais. Parce que là, on est à 14. Hein. On va aller au tir au but sans doute. Ah, ça mettra un peu de sel encore. Écoutez, hein. À une finale qui n'en manquait déjà pas. Par contre, Dugrillon à ce poste de demi-défensif, c'est pas mal. Hein. Ah non, c'est pas pour mal, permettre hein. La construction, peut-être que ça permet aussi de garder le ballon. Bon, de faire des sorties de ballon propre. Et puis, très bon dans sur les ballons aériens. Allez! Le coup franc, le ballon dans la surface, la tête bien déviée par Jimmy Meyer. Oh, les gardiens sont importants, c'est eux qui ont un rôle à jouer dans ce match. Certes, il y a eu quelques petites bévues sur les différents buts qu'on en a vu ce soir, 6 au total. Mais là, je peux vous dire qu'ils se rattrapent de part et d'autre, que ce soit Berswiller ou Meyer. Et Gourier pour jouer ce corner, peut-être le corner de la dernière chance. À mon chrono, il reste 5 secondes. Hein. La dernière action alors. Oh oui, et oh. Ça finira dans les bras de Jimmy Meyer. Voilà, ça y est. Et les tirs au but. Voilà ce qui nous attend pour cette fin de match. Allez, je vous propose, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va vivre ça avec les supporters, mon cher Gabi ? Est-ce qu'on reste à notre place ? C'est vrai qu'on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal ici. Oui. On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Et alors j'ai une petite info. Meyer est bon au penalty. Attention, moi je vous ai dit également que Berswiller était bon au penalty. Il en a arrêté deux contre Villerue. Hein. Donc attention, de quel côté on va les jouer entre, ces penalties. Et contre Amnéville, c'était Jem Belewski qui était dans les buts parce que Berswiller était avec l'équipe de Lorraine. Vous avez raison. Allez, on va descendre. On va descendre, mon cher Gabi. Allez. On va aller se mêler aux supporters. On va vous faire vivre cette séance de tir au but au plus près du spectacle. Et la standing ovation, vous l'entendez, dans ce stade sans symphorien, où on aura beaucoup chanté, où on aura beaucoup crié, où on aura beaucoup sauté. Et on va faire durer le plaisir encore un peu plus dans ce match. Non, vas-y. Et
Où est-ce qu'ils vont se jouer ces tirs au but? Je ne sais pas, Gabi, pour le moment. Ça discute chez les arbitres. Eh bien, écoutez, là, on est aux premières loges. On est avec les Verts. Enfin, vous, vous êtes avec les Verts. Moi, je reste neutre. Mais dans la tribune, on est avec les Verts, en tout cas. Voilà. Pas me faire d'ennemis quand même. Pas pendant la séance de tirs au but. C'est comme ça, en tout cas, que va se conclure cette magnifique finale de Coupe de Lorraine. 3-3. Qui l'eût cru? Tiens. Qui l'eût cru? Là, 6 buts, franchement, je ne m'attendais pas à ça quand même. Hein. Non, mais on a vu un super spectacle. Et des équipes qui ont tout donné. Tout donné. Une équipe un peu plus mûre, Lunéville. Une équipe un peu plus enthousiaste, Vemrange. La seule chose qu'on n'attendait pas, c'est un peu cette fragilité défensive. Parce que normalement, Vemrange qui mène au score. Généralement, c'est 3 points. Ça va au bout. Ouais, ça jusqu'à au présent, bout. Ça allait au bout. Mais c'est vrai que Lunéville s'est bien battu. Lunéville, techniquement, en tout cas, qui a été, on peut le dire, au-dessus hein, sur, dommage qu'il y a un perdant, sur ces 120 ça. Minutes. Et c'est vrai qu'on est triste de savoir qu'il y aura un perdant. Et oui, c'est une finale. Il y aura bel et bien un perdant à la fin de ce match. Les joueurs qui, pour le moment, eh bien, ça discute beaucoup. Hein. Ça discute beaucoup, notamment du côté de Lunéville. Président de la CRA qui discute avec... d'arbitre central. Tout s'est bien passé, il faut le dire. Oui, là, il faut dire que franchement, les joueurs ont fait preuve d'un excellent état d'esprit. Hein. Ah, ils ont tout donné. Il n'y a pas eu la moindre anicroche durant ce match. Hein. Et du côté de. C'était même une bonne propagande pour le football. Et du côté de Vemrange, on s'est mis tout au bout du terrain, Gabi, tout au bout du terrain. Dans son coin, on se fait masser. Alors, quel côté va choisir l'arbitre? C'est toujours ça, je ne sais pas. Alors, c'est sûr que c'est vrai que ça va compter parce que si on joue... Il n'y a pas de soleil. Hein, voilà, déjà. Et puis, messieurs, si on joue sur la droite de votre écran, vous risquez d'entendre une grosse ambiance puisqu'on sera côté de Vemrange. Et si on joue sur le côté gauche, ça sera du côté lunévillois. Voilà. La coupe, en tout cas, pour le moment, était rangée, hein, je vous rassure. Mise en toute sécurité. Tiens, non, on va la sortir. Une coupe qui pèse très lourd. Je voulais qu'on commence cette retransmission, mon cher Gabi, avec la coupe à côté de nous, parce que ouais. Bon, moi, je suis pas un assez bon joueur de foot pour soulever les coupes. Et ça a été mon rêve de toujours. Donc, voilà. Moi, je l'ai soulevé, celle-là. Vous l'avez soulevé, celle-là, en plus. Mais c'était mon dernier match officiel. Hein, ah, en plus de ça. La cerise sur le gâteau. Comme quoi, il faut savoir arrêter au bon moment. Il faut savoir arrêter au bon moment, tout à fait. Et cette coupe qui est très très lourde, je ne sais pas si c'était la même de votre temps, Gabi, si, c'est toujours la même. Ah, c'est la même. Alors, une coupe c'est un buste. Qui pèse 10 kilos, un buste de bronze, il me semble. Et les deux coupes que vous voyez peut-être sur le présentoir, ça c'est les coupes des finalistes. Les coupes des finalistes, une en or, une en argent. Donc le vainqueur partira avec deux coupes, tout simplement. Et allez, je vais jeter un petit coup d'œil. Ah, en fait, mes messages. En fait, oui, Gabi. Ces coupes-là, vous les gardez à vie. Par contre, le challenge, vous êtes obligé de le rapporter la saison suivante. D'accord. Mais ça veut dire que pendant un an, il faut le gagner 3 fois de suite ou 3 fois. Pour l'emporter définitivement. Voilà. Ce qui n'est jamais arrivé, du coup. Je vous ai collé. À mon tour. 3 fois de suite, c'est jamais. Voilà. C'est des équipes comme Odaltich, le FC Metz amateur. L'ont remporté quand même de nombreuses fois. Et 3 fois de suite, c'est rare. Jarville aussi a gagné, plusieurs fois. Hein. Et si on voit une Panenka, tiens. C'est ce qu'on me demande sur le hashtag Coupe Lorraine. Ça serait quand même une certaine fantaisie. Je ne sais pas. Meilleur sera l'homme de la finale, me dit Manu Ferdi. Ah, c'est un Berthe Mosellan là. Voilà, je pense, à mon avis. À mon avis, et puis bien sûr, alors Alberto Filippelli, qui connaît bien certains joueurs qu'on a cités tout à l'heure, nous dit « Admirer la Panenka, c'est une source sûre ». Ah. Alors est-ce que… Mais risqué, ça oui, ça c'est sûr. La source est sûre, mais l'acte est risqué. Est-ce que c'est Pierre Peverini qui va nous gratifier de ce geste? Je ne sais pas. Moi, j'ai vu en demi-finale, Pécher qui a fait une Panenka sur Berzweiler. Bah écoutez… Tout est ouvert, maintenant il peut tout se passer. L'arbitre lui avait fait retirer le pénalty.
Il avait eu un temps d'arrêt, donc il a retiré son pénalty. Et c'est pas dégonflé, il a fait une panenka. En tout cas, on a de très très belles images dans cette tribune verte. Et même du côté de Lunéville, vous ne les voyez pas. Le challenge, il tout est là. Tout à fait. Elle est là, cette coupe en bronze. 10 à 15 kilos, on m'a dit. Hein. Gros plan. Allez, messieurs. Notre cher ami Julien Nové qui a la réalisation. Allez nous la chercher, mon vieux. C'est le moment. Là, voilà. Alors, ça se jouera à gauche, alors. Ça se jouera à gauche, tout à fait. Dans la plus parfaite des neutralités. Du côté de Lunéville. Et les premiers tireurs, ceux qui vont démarrer. Alors qu'il y a une standing ovation, justement, pour Saint-Symphorien, par Saint-Symphorien, pour tous ces joueurs. Et là, ça va être de la folie, mes amis, ça va être de la folie. Ça va être de la folie. Qui va se présenter pour démarrer cette séance des tirs au but? Alors, qui est-ce qui a gagné le toss? Ça, on ne l'a pas vu, parce qu'on n'a pas notre homme de bord-terrain aujourd'hui. Il vaut mieux démarrer, hein. Oui, ça met la pression sur les autres. Voilà. Et vous avez toujours une chance de vous en sortir. Alors, eh bien écoutez, c'est tout simplement les Verts qui vont démarrer. C'est Vem qui va frapper en premier. C'est Porzi qui va se présenter devant Jimmy Meyer. Lui aussi, il a fait un bon match. Porzi, très intéressant. Lui, il a pesé sur les défenses. Trois pas dès lors. Donc, à mon avis, pied droit. Alors, est-ce qu'il va ouvrir à droite? Oui. Porzi et le contre-pied. 1-0. 1-0 pour Vémange. Et la pression est sur Lunéville, pour le coup. Voilà. Avec Loïc Caron. Loïc Caron sous la bronca. Là, je vous l'avais dit, Saint-Symphorien n'est pas tout à fait... C'est pas neutre ici. C'est pas tout à fait neutre. C'est pas le terrain neutre qu'on attendait. Mais bon, écoutez, c'est la loi des bus. Voilà. Loïc Caron. Il y a certains supporters, vous l'aurez sans doute entendu, qui pensent que c'est déjà fait. À votre place, je ne sais pas, mais bon. Trois pas d'élan. La même pour Caron. Oh, la barre transversale! La barre transversale pour Caron! On en est toujours à 1-0 pour Vémange. Il a pris quand même un sacré risque, trois pas d'élan. Le corps un peu penché en arrière. Ah, c'était compliqué. C'était compliqué. Il avait mis la puissance, mais il a manqué un peu de précision. Pauvre Loïc Caron, si ça devait c'est s'en finir là. Gourier. Et Gourier, votre petit chouchou, mon cher Gabi. Un but à zéro pour le moment dans cette séance. Et on attaque les deuxièmes tireurs, bien sûr. Et c'est Vémange qui va se présenter, puisque Vémange a démarré cette séance. Un tir manqué, je vous le rappelle, on l'a vécu en direct, c'était Loïc Caron. Bourrier, oh, c'est raté par Meyer. Et là, Lunéville qui a l'occasion d'égaliser. Le gardien a choisi le bon côté. Ouais. Le ballon à la bonne hauteur pour le gardien. Et ça suffit pour rater son pénalty. David Pileggi qui va se présenter pour Lunéville face à Michael Bertwiller. Enfin, Vémange mène toujours à zéro. Hein. Vémange mène toujours à zéro, mais on le rappelle, Lunéville a l'occasion de revenir. Attention, attention. Est-ce que Lunéville va faire parler l'expérience? C'est parti et c'est bien fait. Ouverture du pied droit, contre-pied. Un partout dans cette séance. Et les troisièmes tireurs vont se présenter au point de pénalty. Eh bien écoutez, c'est le mano à mano, c'est le chat et la souris depuis le début de ce match. Quand on pense qu'une équipe a pris l'ascendant, eh bien finalement c'est pas le cas. Et nous on aime ça, parce qu'on aime le foot. Et puisqu'on aime le foot, on aime Kevin Gentil, qui va se présenter au point de pénalty. Oh, très peu d'élan. Également, et le contre-pied parfait. Le contre-pied parfait pour Kevin Gentil. Du grillon. 2-1 dans cette séance. Je vous le rappelle, nous en sommes au troisième tireur. Et du grillon qui était le poison véritablement de Lunéville. Du grillon pour égaliser à deux partout. Ce sont les troisièmes tireurs, je vous le rappelle.
mais pas de scoring sur votre écran parce qu'on n'est pas prévu de tir au but, nous, vous savez. Avoir autant de buts, on pensait pas que ça allait en arriver là quand même. Du Grillon. Oh là, il y a un peu plus d'élan là. Gaucher. Du gauche, du Grillon. Le contre-pied parfait de partout entre les deux équipes. Belle maîtrise là, hein, belle maîtrise. Il a regardé où le gardien partait. Finalement, il l'a mis de l'autre côté avec son pied gauche. Du très très lourd, du très très lourd. Berardi. Et tout à fait. Fils du président. Ah lui, il n'a pas intérêt à le manquer celui-là. Il n'a pas intérêt à le manquer, sinon privé de soirée. Renaud Berardi, le numéro 5. C'est toujours un défenseur. Hein. Peut-être pour permettre à Vémange de reprendre l'avantage. Et l'arrêt. L'arrêt de Jimmy Meyer. Et si c'était lui l'homme du match? Alors c'est Beson qui a marqué le troisième but. Exactement, celui qui pensait avoir donné la victoire au blanc. Ah, si jamais Beson marque, je vous dis pas la pression sur le dernier de Vémange. Ouais, parce que dans ces cas-là. Mais bon, il faut que Beson marque. Hein. Dans ces cas-là, eh bien, Lunéville repasserait devant. Ah, il est important celui-là, il est important pour Beson. Gaucher aussi. De partout dans cette séance de tir au but. Et peut-être l'occasion pour Lunéville de repasser devant. Là, il va mettre la puissance, je crois. Oh oui, Beson, il va y aller en force là. À son habitude. Ouh. Et c'est passé. Lunéville qui reprend l'avantage. Alors la pression sur Peverini. 3 buts à 2. Et là, c'est les derniers tireurs, les cinquièmes et derniers tireurs. S'il manque celui-là. Il manque celui-là, c'en est fini pour le rêve vert. Et les joueurs de Lunéville pourront aller fêter ça au chat noir, comme ils l'avaient prévu. Chaque fois que vous parlez de fête, Manu, il y a un chat noir qui passe. Il y a un chat noir qui passe. Je ne sais pas pour qui, pour le coup. Peverini. Droitier. Peverini. Oh, et il a raté. Lunéville remporte la Coupe de Lorraine 2013. Peverini qui a manqué le dernier tir. Et cette séance de tir au but qui se termine par 3 tirs au but à 2. Et bien voilà, messieurs, un match en tout cas incroyable. Incroyable, restez avec nous parce qu'on va suivre bien sûr tout le protocole. Restez avec nous parce qu'on va avoir bien sûr les deux entraîneurs avec Gabi et avec moi-même. Gabi, je vous propose qu'on reste même assis. Oui. Parce que là, il y a eu une débauche d'énergie terrible. Et voilà la fête pour les Lunévillois. Vous tenez pas les 2 heures. Voilà. défi, voilà. J'étais super ravi en tout cas d'être avec vous, Gabi, pour commenter ce match. Ça a été un grand plaisir. C'était vraiment une superbe ambiance. Une super idée de la Ligue de Lorraine. Exactement, et qu'il faut saluer. Et de tous ses partenaires. Toute la presse régionale s'est mise derrière. France 3 Région également était avec nous pour vous faire vivre ce match. Le Républicain Lorrain, merci. C'était superbe, c'était juste superbe. Et j'avais dit quand même que le perdant serait frustré. Et là, il peut l'être. C'est vraiment terrible pour Vémange, vraiment terrible. Les garçons éprouvés. On se saute de joie, ça va faire plaisir à cette équipe de Lunéville. Mais bon, il fallait un vainqueur. Il en faut toujours, hein, malheureusement. C'est comme ça, c'est la dure loi du football. Et on pleure, et on pleure. Et les larmes de joie d'un côté pour les Blancs, de tristesse de l'autre côté pour les Verts. Et on va assister à un beau protocole en perspective. Ah là là, quel match. On va prendre un petit peu d'eau parce que là, ce fut un match complètement fou. Avant de suivre ce protocole. Du côté de Vémange, quand même, le soufflet est retombé. Hein. Ah oui, non, ça c'est sûr. Il y a de quoi quand même. Il y a de quoi être déçu. Ah, ils ont mené 2 fois au score. Ils ont fait un super match. Ils nous ont offert un super spectacle. J'allais dire, ils ne méritaient pas ça, mais on ne peut pas dire non plus que Lunéville méritait de perdre. De toute façon, il y aurait toujours une équipe qui serait frustrée. Complètement. Mais bon, c'est le sport. Il fallait un vainqueur, il fallait une équipe qui remporte cette Coupe de Lorraine. Eh bien, les tirs au but en ont aussi vous. Et là, standing
ovation du Stade Saint-Symphorien pour le cercle sportif de Vemrange. Et la belle image de Christophe Granvaux. Quelle émotion. Quelle émotion, Christophe Granvaux, qui a dû se manger tous les doigts, hein, tous les doigts de la main pendant ce match où il y a cru. Et il a eu raison d'y croire. Parce que même à 10, ils n'ont pas démérité. Quand Kiefer est sorti, cette équipe n'a pas baissé le pied. Cette équipe a toujours cherché le but. Ils auraient pu rester à 11 derrière. On sait qu'ils ont un très bon bloc défensif, Gabi. Ils auraient pu rester à 11 derrière et attendre les tirs au but. Le gros mérite des Vemrangeois, c'est lorsqu'ils ont été menés 3-2, ils ont eu encore la force de revenir à la faveur d'une action superbement construite et d'égaliser à 3-3. Et rappelez-vous le ballon que le gardien de Lunéville, le ballon de la tête de Berardi à l'ultime seconde. Exactement. Une finale, ça ne joue pas grand-chose. C'est les détails qui font la différence. Et ce soir, les détails, ils se sont joués un pendant les 120 minutes. Un peu plus de maturité au moment des tirs au but. Et quand on voit comment Besoin a tiré ce tir au but qui leur a permis de prendre l'avantage, je crois qu'il est passé à 1 mm de la main de Patrick Berzweiler. C'est comme ça. Il était dit que c'était Lunéville qui passerait, qui remporterait cette coupe. Et les applaudissements, les gens qui ne veulent pas s'asseoir, les supporters verts qui ne s'assieront pas pour cette remise de trophée. Le maire de Thionville. Exactement. Qui demande. Bertrand Merz. Qui demande, eh bien, aux supporters de continuer à applaudir et que cette ambiance monte et continue de monter dans ce magnifique stade. Et on va assister, bien sûr, au protocole, la remise de coupe, la coupe de Lorraine. Ah, c'est absolument splendide. J'espère que vous avez pris beaucoup, beaucoup de plaisir derrière votre écran. Ah, je vois le président de la Ligue de Lorraine, monsieur Lopez, monsieur Masseret, président de la région. Tout à fait, qui est allé saluer les joueurs pour un protocole d'avant-match. Remercions quand même l'Est républicain, remercions quand même le Républicain Lorrain, je vous le disais tout à l'heure, hein, qui ont diffusé ce match via leur site. Remercions également France 3 Régions qui sont ici, ils font des petits reportages, des petites interviews, n'hésitez pas à aller sur leur site ou à regarder leur chaîne pour en savoir un petit peu plus sur les réactions de ce match. Nous aussi, on aura les entraîneurs juste après le protocole, je vous le promets, on aura les deux coachs. Et la remise de trophée qui va avoir lieu tout de suite. Alors, on l'a dit, hein, on va voir d'abord les deux trophées. Voilà, remise des médailles pour les perdants. Donc Vemrange va avoir... C'est Lucie Désert, hein, qui va remettre cette médaille. Une dame de Champagne-Ardennes. Partenaire, bien sûr, de cette finale. Vous voyez... Les visages marqués, hein. Le masque du côté de Vemrange. Ah, entre la gagner et la perdre. C'est jamais facile. Vous voyez beaucoup de déceptions chez les Verts. J'ai connu les deux. Et je peux vous dire. Et alors, comment on s'en remet alors pour le coup, Gabi? Ah non, là. On s'en remet pas. Si, je m'en suis remis parce que trois jours après, ma première fille naissait. Eh bien, écoutez, c'est une belle initiative qu'il faut donner à ces jeunes. Mais bon, là, ça va foot. Être un peu tard. Hein, pour oui. Dans neuf mois, ça viendra pimenter leur saison de DH en plus, voilà. Ce sera magnifique. Et vous voyez beaucoup, beaucoup de déceptions chez ces joueurs, Steinmetz. Et qui fait, regardez. La déception est plus grande du côté de Vemrange parce que il y a quand même une culture de la Coupe de Lorraine qui s'appelait Challenge de Vadel, qui est beaucoup plus imprégnée dans le secteur de Vemrange que dans le secteur de Lunéville. Bon, malgré tout, Lunéville remporte la Coupe de Lorraine, ils sauvent leur saison, hein. Et Lunéville qui était à sa troisième finale en 4 ans. Je vous le répète, ils avaient perdu en 2011, c'était du côté de Marcel Picot. Ils avaient gagné à domicile en 2010 et ce soir, eh bien, ils vont remporter une nouvelle Coupe de Lorraine. Ces joueurs de Lunéville que l'on voit à l'antenne, tout à fait. Et je pense qu'il y a un garçon, le coach Eric Braun, un peu dubitatif lorsque je l'ai rencontré en début de match. Il avait du mal à...
à imaginer comment ces joueurs pouvaient réagir sur un match comme celui-ci. On l'a dit, la trajectoire descendante pour Lunéville. Oh non, pas de sifflet, pas de sifflet s'il vous plaît messieurs. Non, là ils l'ont pas volé quand même. Ne gâchez pas la fête sous aucun prétexte. Lunéville qui mérite bien son trophée. Ah, il faut être bon perdant. Faut rester bon perdant. Et les médailles qui surtout vont. Que Lunéville, on ne peut pas dire qu'ils aient volé. Ils n'ont pas archi dominé cette rencontre. Mais bon, il fallait un vainqueur, ça a été eux. On le respecte, c'est la loi du sport. Ah non, il ne faut pas siffler. Ah non, c'est l'arbitrage, c'est le corps arbitrage malheureusement qui a été sifflé. Là aussi également. Monsieur, je voulais saluer, monsieur Sammartino, monsieur Houssine El Matawi, Mansueto Leone également, les arbitres assistants de Maurice Sammartino. Et là, il y a tout un tas d'officiels de la Ligue de Lorraine et notamment de la Ligue de Meurthe-et-Moselle qui ont aussi ont droit à leur médaille. Parce que cette compétition s'est très bien déroulée. Alors, monsieur Antoine Falchi est membre du comité directeur du district Mosellan. Et monsieur le deuxième délégué qui s'appelle. El Atawi. Matawi. El Matawi. C'est Thierry Bernard. Oui. Qui vient de recevoir une médaille. Oui, tout à fait. Il est président d'une commission. Et ça m'est arrivé de le croiser d'ailleurs, si je ne m'abuse, en championnat national, un monsieur très sympathique. Deux gars qui travaillent énormément pour que tout soit huilé dans le football mosellan et lorrain. Parce que derrière ce match, derrière ce spectacle, il y a quand même un travail qui a commencé au mois d'août de cette saison. Et qui, de tour en tour, finalement, a désigné Lunéville comme vainqueur. Tout à fait. Et quel donc, parcours. Ce travail, il doit être mis en lumière. Les dirigeants du district, de la Ligue, font de telle sorte que cette compétition est bien gérée. Et je voulais qu'on ait une pensée aussi, mon cher Gabi, à tous ces bénévoles, à tous ces entraîneurs, à tous ces éducateurs qui... bénévolement, donnent leur temps au football amateur, font que la France aujourd'hui a, quoi qu'on puisse dire, une belle culture, fait que dans cette région qui est la région Lorraine, on puisse vivre ce genre de spectacle, qu'on puisse remercier tous les gens qui ont été dans ce stade, tous les gens qui nous ont suivis derrière leur écran. C'est quand même fantastique de voir tout ça, de voir cet engouement, de voir que des compétitions comme celle-ci existent. C'est vraiment quelque chose de magnifique, honnêtement. Puisque vous parlez des dirigeants et des éducateurs, je me permettrai même d'en citer un. Allez-y. Qui est éducateur à Vémeran, c'est Robert Vitmé, qui s'occupe des U9 et des U11. Et quelque part, le bon parcours de l'équipa de Vémeran cette saison, eh bien, il lui revient. Bien sûr. Donc, des gars comme ça doivent être mis en lumière. Ils sont souvent dans l'ombre. Ils sont là... souvent les soirs de la semaine, les mercredis matin, les mercredis après-midi, ils organisent les compétitions pour les tout-petits, les goûter. Et ils ont eu la satisfaction de voir les leurs être champions de DHR. Bon là, ils ont eu quand même le droit de voir les leurs jouer cette finale sur le stade Saint-Symphorien, c'est quand même grandiose. Bien sûr. Et quelque part, ils le méritaient. Et on les salue, ces verts, ces petits bonhommes verts, je vais les appeler. Comme cela, ce peuple vert et ces joueurs verts que vous avez vus, en tout cas, eh bien, ne pas démériter dans ce match la coupe des finalistes qui leur est remis les champions de DHR et le capitaine Grégoire Tardivon qui va soulever cette coupe sous l'ovation du Stade Saint-Symphorien. Plus de 50% de cette équipe a démarré dans ce club en U11. Ils sont ensuite passés par toutes les catégories de jeunes avant de vivre ce moment sans doute exceptionnel dans leur vie. Et on souhaite qu'ils aient la chance de revenir ici. Et puis ben ça c'est la réplique de la Coupe de Lorraine, celle qu'ils vont garder. Vous nous disiez cela, excusez-moi Gabi, tout à l'heure. La réplique, donc celle-ci elle va rester au club. Celle-ci va rester au club. Et c'est le coach Eric Braun, il avait perdu chez lui, à Marcel Picot, là où il a été formé,
Et bien il a pris une belle revanche. Depuis qu'il est au club de Lunéville, il a fait quand même un sacré boulot. Hein. 10 ans, imaginez, 10 ans. Ils sont passés de promotion. Ils sont montés en CFA2. Exactement. Il a gagné 2 Coupes de Lorraine, il va jouer 4 finales. C'est exceptionnel. Chapeau, hein. Chapeau, monsieur. Chapeau. Et on va la voir. On va la voir. Notre ami Eric Braun tout à l'heure. Et le voilà, le vrai trophée. Celui qu'ils vont garder pour au moins un an. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Tout le mal qu'on leur souhaite. Lunéville, champion, en tout cas vainqueur de la Coupe de Lorraine. Un grand merci à tous. Et un grand bravo à ces joueurs qui ont beaucoup eu de mal, qui ont eu du mal à digérer cette descente de CFA2 à DH, que l'on retrouve en DH. Tout comme nos amis verts de Vémerange. Et ben voilà, les deux équipes sont en DH la saison prochaine. Et ce magnifique plan, cette remise de la Coupe, fantastique. Lunéville l'a mérité, et le peuple vert, voilà, des tribunes qui applaudit. Standing ovation pour les Blancs. Et ben voilà, tout s'est bien passé dans un magnifique esprit. On ne pouvait pas en attendre plus, mon cher Gabi. On ne pouvait pas en attendre plus. On va rester un petit peu ici. Manu, dites-moi, Gabi. On reviendra. Ah ben moi, je reviens. Moi, c'est sûr. Je peux même commencer dès le premier tour avec vous. J'ai passé un excellent moment, Gabi. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à tous les tweetos qui ont été derrière nous, derrière vous, derrière ces joueurs surtout, parce que bon, nous, on n'est qu'un rouage du système. Merci à vous tous d'avoir suivi cette retransmission. Je vous propose qu'on attende un petit peu. Là, il y a la photo qui est en train de se passer. La photo des vainqueurs de la Coupe de Lorraine. Si vous prenez la retransmission en cours, vous arrivez un peu tard, certes, mais c'est Lunéville qui a remporté cette Coupe de Lorraine. Et puis là, un célèbre tube qui est chanté par les joueurs de Lunéville. On est très heureux pour eux. Le soulagement, ils en avaient même perdu un en route qui était malade et qui a dû renoncer 10 km après que le bus soit parti. Imaginez un petit peu la frustration. Eux qui ont vécu des moments très difficiles aussi ces dernières semaines après cette descente de CFA2 à DH. Et on va attendre l'arrivée des coachs. Ça va être dans quelques temps. On a un petit peu de temps. Je vais poser la question à mon réalisateur, Julien Nové. Est-ce qu'on a un petit peu de temps pour attendre les coachs? On a le temps. Alors il me dit, est-ce qu'on a encore de quoi parler? Mais oui, avec Gabi, on pourrait. On va parler du foot. On aime ça. On va parler du foot toute la soirée. Pas de souci. J'espère en tout cas que vous avez passé une agréable soirée. Je voulais remercier à nouveau tous les partenaires et notamment les médias qui ont permis de vous faire vivre ce match. Dailymotion, on l'a pas cité, c'est vrai, Dailymotion vous a encore permis de vivre du foot gratuitement sur internet, en live. Et quel match, 6 buts, 120 minutes de jeu, une séance de tir au but et une remise de coupe à la fin. Pratiquement le scénario parfait. Pratiquement le scénario parfait. Sauf pour les Vémerangeois. Et on a bien cru à un moment donné d'ailleurs que Lunéville ne reviendrait pas. On a bien cru que les Vermangeois non plus ne reviendraient pas. Eh bien écoutez, ils nous ont fait mentir jusqu'au bout. Mais quelle émotion, la fête va être belle. Et du coup Lunéville va pouvoir eh bien inaugurer son nouveau stade comme il se doit. Voilà, il va y avoir une belle fête. Et derrière on va aller même au Chat Noir. C'est vous dire, c'est vous dire, c'est vous dire. Allez, on va prendre Christophe Granvaux qui arrive avec nous sur notre petit plateau improvisé. Christophe Granvaux qui va venir avec nous. Allez-y Christophe, installez-vous, les félicitations de Gabi. Allez-y Christophe. Christophe, je vais vous laisser vous casquer. En attendant, bien sûr, les joueurs de Lunéville qui en profitent eh bien, pour sabrer le champagne. Et également bah, profiter de ce beau moment au stade Saint-Symphorien. Christophe, allez-y, mettez votre casque, je vous en prie. Merci déjà de répondre à nos questions, Christophe. Quel est votre sentiment un petit peu quel est votre sentiment après ce match complètement fou? On a bien cru que vous alliez le perdre. Vous égalisez à 3 minutes de la fin. Je vous remets bien votre casque, Christophe. Excusez-moi. Je vous remets, quel sentiment prédomine là après 120 minutes de spectacle comme celui-ci? Non, ben simplement la déception pour tous les gens qui sont là et la déception pour les joueurs, pour les 14 ou les 15 qui étaient là, plus ceux qui n'ont pas été retenus, pour qui j'ai une grosse pensée. Et puis voilà, quoi, c'est cruel, c'est au tir au but, mais ceci étant, ils ont fait une saison extraordinaire, donc il faut garder le côté positif. Quoi. Christophe, vous avez commencé cette compétition au deuxième tour, je crois, de la Coupe de Lorraine, après une petite affaire administrative dont on ne reviendra pas en Coupe de France.
on se sent pas un peu épuisé là au bout de tant de tours, tant d'émotions, tant de stress? On vous a vu presque vous manger les mains là au bord du banc. Ouais, on était stressé, on a eu du mal à rentrer dans la partie, on a eu du mal à venir au combat d'entrée, on a eu du mal à poser le ballon, on est à bout de force, on est cuit dans nos têtes, on est cuit vraiment mentalement. On a eu beaucoup de matchs difficiles à jouer. Et bon, voilà, et aujourd'hui c'est cruel de perdre au tir au but. Qu'est-ce qui a fait la différence, Christophe, ce soir par rapport à Lunéville? On a dit qu'il y a plus d'expérience, qu'il y a peut-être plus de vécu au plus haut niveau. C'est ça qui a fait la différence au niveau des tirs au but, au niveau de la gestion du stress, de la gestion du fait d'être dans un grand stade comme celui-ci à Saint-Symphorien pour une belle fête? Il y a la gestion du stress, mais il y a surtout les coups de pied arrêtés. On était prévenus, on savait qu'ils allaient être dangereux sur coups de pied arrêtés. Ils nous ont complètement... Et les marquages et tout était prévu. Mais bon, ils ont été meilleurs que nous sur les coups de pied arrêtés. Et dans ces matchs-là qui sont serrés, les coups de pied arrêtés sont importants. Et ils les ont mieux tirés que nous, ils les ont mieux joués que nous. Et c'est là-dessus qu'on s'est fait piéger. Quelle image vous garderez de cette finale et de cette compétition? C'est la dernière question. Après, je vous laisse tranquillement aller fêter tout ça avec votre club. L'ovation des spectateurs à la fin du match pour tous mes joueurs et tous ceux qui ont participé à la fête. Ce soir, il y a quand même la fête avec, je crois que vous avez un secteur, le football mixte, comme le me disait votre président, les valides, les moins valides. Est-ce que ce soir, ce sera quand même une belle fête? C'est surtout prévu pour demain, donc ce soir, d'accord, on va se retrouver avec des joueurs. Oui, effectivement, on va se retrouver avec des joueurs pour faire une petite fête. Mais bon, demain, ça sera avec des sports adaptés, ce qui est aussi très, très, très important parce que c'est important de s'occuper aussi de ces personnes-là. Et voilà, le club est partie prenante de ce projet-là. Merci beaucoup, Christophe. Retour et bon courage en DH où vous croiserez un garçon qui ce soir a le sourire. Bien évidemment, je veux bien sûr parler d'Éric Braun. Éric Braun qui va venir avec nous. Les félicitations de Gabi. Ça, c'est aussi important. Hein, l'avis d'un expert. Il l'a remporté cette coupe. Il en a fait quelque chose en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Allez-y Eric, venez avec nous Eric, je vous propose même de vous asseoir sur ce siège, ça sera encore mieux. Eric, waouh, ouais. Quel stress, quel match. Au début de match, je suis venu vous voir, on a un peu discuté sur la pelouse, vous me disiez ce soir on va souffrir, je sais pas si mes garçons sont pas trop fatigués, je sais pas si mes garçons, après avoir vécu cette descente de CFA2 en DH, vont pouvoir tenir le choc face à une équipe justement qui est sur la pente ascendante. Ce soir, ils vous ont montré que vous pouviez leur faire confiance. Oui, on a fait un bon match de football. Bon, après c'est vrai que un 3-3 ça fait plaisir au public, mais pas trop à l'entraîneur que je suis. c'est pas forcément l'équipe qui méritait le plus qui a gagné, parce que bon, il faut reconnaître qu'ils ont été devant deux fois. On a su malgré tout revenir, mais on est vraiment très très fatigué au bout du rouleau. On a des joueurs qui sortent avec des crampes. On jouait à la fin avec 4 joueurs de l'équipe B. Pour nous, c'est compliqué. Il était temps que la saison se termine. Mais bon, sur une victoire, c'est toujours plus simple. Qu'est-ce qu'elle va changer, cette victoire en Coupe de Lorraine, pour vous, pour vos joueurs, pour votre club? Qu'est-ce que ça va changer en vue de la saison prochaine en DH? Eh ben, on dit qu'on veut rebondir dès la saison prochaine. Ben, ça peut être un bon trampoline. On n'arrête pas la saison sur une mauvaise note, finalement. On part sur une victoire en finale de la Coupe de Lorraine. Et plutôt que bâtir sur, on va dire, deux défaites, un nul sur les 3 derniers matchs, on va bâtir sur une finale de Coupe de Lorraine. Je pense que c'est plus facile. Éric, vous avez été formé à l'AS Nancy-Lorraine. Ouais. Vous avez perdu à Marcel Picot cette même finale de la Coupe de Lorraine. Vous gagnez ce soir à Saint-Symphorien. J'ai envie de vous dire, c'était un présage quelque part. Ouais, je pense aux anciens entraîneurs de Nancy, Antoine Redin pour les plus anciens, ou... j'en oublie Hervé Collot, qui chaque fois qu'on devait jouer les Messins nous disait attention cette semaine, il faut y aller, il faut surtout pas perdre ce match. J'aurais préféré la gagner à Picot et pas la gagner ici, mais c'est un pied de nez. Bon, rassurez-moi, la fête n'est pas gâchée. Ce soir, vous avez inauguré déjà le nouveau stade à 14h aujourd'hui, et ce soir la fête va continuer là-bas, je crois. On a réservé un restaurant où ils doivent nous attendre. Ils nous attendaient vers 9h30-10h. Mais bon, avec les prolongations, ça sera un peu plus tard. J'espère qu'il y aura encore à manger. Puis après, on va sortir un peu faire la fête. Vous m'avez dit du côté du Chat Noir. Ça, ouais, c'est pour évacuer tous les mauvais présages de cette saison. On va aller manger dans un petit resto sympa au pont 29, rue des Ponts. On a réservé. Et puis après, on va tous aller au Chat Noir. Et puis...
eh ben on, la saison se termine là-dessus. On n'a plus entraînement, on a juste après quelques entretiens avec les joueurs et puis préparer la saison prochaine avec cette finale de Coupe de Lorraine et cette victoire en fond. Merci beaucoup Eric, félicitations. Merci. Eric Braun, entraîneur bien sûr de cette équipe de Lunéville qui a remporté bien la Coupe de Lorraine ce soir. Et puis on va se quitter là-dessus. Gabi, merci pour tout. Gabi, merci pour tout. Merci pour ce bon moment. On se connaissait pas 10 minutes avant que le match commence. Écoutez, j'ai gagné un ami. Enfin, j'espère que c'est réciproque. Ce fut un grand plaisir, mais les joueurs nous ont aidés. Voilà, les joueurs nous ont aidés, disait Gabi, si vous l'avez bien entendu. On va remercier bien sûr la Ligue de Lorraine qui nous a permis de vivre ce spectacle au plus près et de vous le faire vivre chez vous, derrière votre écran. Et Dieu sait que vous avez été nombreux et on sera étonné. Je vous donnerai les chiffres sur Twitter du nombre que vous étiez. Merci à la Ligue de Lorraine, merci à tous les partenaires qui ont permis également à ce match d'être visible sur Internet. Je pense à France 3 Région, je pense également à le Républicain Lorrain et l'Est Républicain, il me semble également, qui a mis ce match sur leur site. Merci à tous ces partenaires. Vive la Lorraine et vive le foot. Et à bientôt, bonne soirée et à la saison prochaine maintenant. Au revoir.